Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Sport en France pour le grand classique du hockey sur glace français Grenoble face à Rouen. Un match que je vais avoir le plaisir de commenter avec Pierre Pousse. Bonsoir Pierre. Bonsoir. La première information de cette rencontre, nous sommes certes en patin, mais nous ne serons pas dans l'alignement du match de ce soir. Non, pas du tout. Effectivement, ce match qui sera une question de suprématie entre le champion 2019 et le champion de cette année, hein, Grenoble et Rouen. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un enjeu au niveau des classements des compteurs, puisque Deschamps qui est premier et poursuivi par Fleury à 2 points et Guttig à 3 points. On écoute Edo Terglave, le coach des Brûleurs de Loup. Bonsoir coach, la troisième place est assurée, c'est un match pour l'honneur ce soir. Bonsoir. Ouais, c'est un peu la situation bizarre parce qu'on n'est jamais habitué de savoir la date exacte quand on finit la saison. C'est souvent dans les playoffs, on ne sait pas est-ce qu'on va finir ou non. Aujourd'hui c'est le cas que c'est notre dernier match, puis l'honneur, c'est bien finir la saison. Hein. En plus, on joue contre Rouen. C'est les matchs toujours importants. C'est un match pour nous que ça ne joue rien, mais c'est pour le club, l'équipe, pour les partenaires, c'est important. C'est pour ça que c'est important comment qu'on se présente ce soir. Vous le sentez comment, votre groupe, à l'approche du match de ce soir? Est-ce qu'il est revanchard? Le groupe il vit très bien depuis quelques semaines, malgré le qu'on sait qu'il n'y a pas de play-off, qu'il n'y a plus rien en jeu. Puis écoute, ils savent que, comme je disais avant, quand tu joues Rouen, c'est pas n'importe quelle équipe, c'est une équipe contre laquelle tu veux bien paraître. Puis les joueurs, ils savent ça. Puis écoute, ils ont vraiment hâte de commencer cette match. Puis écoute, j'espère qu'on va avoir un beau spectacle sous la glace des deux équipes. Un mot sur Damien Fleury qui peut terminer ce soir meilleur scoreur. Écoute, Damien, il y a tellement de qualité, tellement de choses qui nous amènent pendant toute l'année, depuis qu'il est avec nous. Écoute, déjà, fini première ou deuxième, pour moi, c'est pas important. Qu'est-ce qu'il peut faire chaque présence, puis montrer exemple sous la glace que toute l'équipe le suive. Merci, coach, bon match. Ouais, merci. Pierre, en cas de victoire, les Dragons mettent tout le monde d'accord? Oui, je pense que c'est une question de suprématie. Les deux veulent avoir cette suprématie. Allez, on écoute le coach des Dragons de Rouen, Fabrice Lenry, et on se retrouve tout de suite après pour le grand classique du hockey sur glace français, Grenoble face à Rouen. Bonsoir Fabrice, à quel genre de match on peut s'attendre ce soir face à une équipe de Grenoble revancharde? J'espère un bon match parce que c'est deux belles équipes qui vont s'affronter. C'est un bon challenge pour les deux équipes de bien finir. Comme j'ai dit à mes joueurs, c'est le dernier match qu'on va jouer ensemble. Donc après, on ne sait pas ce que l'avenir nous dira. Il y a des joueurs, les équipes vont changer. Donc c'est vraiment profiter de ce moment et de jouer 60 minutes, d'avoir du plaisir à jouer ce dernier match de la saison. Ouais. Quelles sont les clés pour que les Dragons obtiennent un résultat ce soir ici à Grenoble? On sait que Grenoble a une grande force offensive. Donc il va falloir être défensivement très bon. Et puis de la vitesse aussi, donc voilà, tous les efforts vont être importants, tous les détails vont être importants. La discipline aussi, parce qu'ils ont un power play qui est très bon, donc voilà, c'est l'ensemble de ça qui va nous donner la victoire, ou alors on repartira sans. Ouais. Pour finir, un mot sur Nicolas Deschamps qui peut terminer meilleur scoreur de Ligue Magnus ce soir. Ouais, mais ça c'est des statistiques individuelles, on met toujours l'équipe en avant. Donc c'est vrai que s'il peut marquer ce soir, ça sera bien. Mais avant tout, on veut une victoire collective. C'est nos valeurs, c'est l'équipe avant tout. Donc voilà, on verra à la fin, on fera les comptes. Mais voilà, on veut faire une bonne performance collective. Merci coach, bon match. De rien, merci, au revoir. Ça y est, nous sommes en direct de la patinoire de Pôle Sud à exactement 8 minutes et 35 secondes du début de cette rencontre, de ce grand choc tant attendu entre les Dragons de Rouen et les Brûleurs de Loup de Grenoble. Tout se met en place tranquillement et il y a un match dans le match. Pierre, on en a parlé un petit peu en avant-match, très intéressant ce soir, puisque Damien Fleury, Anthony Guttig ou encore Nicolas Deschamps, tous les trois peuvent finir meilleurs pointeurs de cette Ligue Magnus. Oui, c'est inédit, hein, les trois meilleurs compteurs de la Ligue se retrouvent ce soir pour le dernier match de la saison.
Et donc voilà, s'il n'y a plus d'enjeux au niveau comptable, puisque les places, les positions sont bien établies maintenant, puisque Grenoble va finir sur le podium, puisqu'ils ont Gap a perdu hier. En tout cas, au niveau individuel, c'est vrai que c'est peut-être un peu secondaire, mais pour ces joueurs, c'est très très intéressant. Puis ça va être un match dans le match, voir qui c'est qui va pouvoir passer devant ou rester devant, hein, puisque c'est Nicolas Deschamps qui est devant actuellement avec 2 points d'avance sur Damien Fleury. Et le classement des buteurs aussi, ça peut bouger, puisque pour le moment Roland Vigneurs est en tête avec 14 buts à égalité avec Max Kalter, et Damien Fleury est juste en dessous avec 13 buts. Regardez le calendrier, les matchs qui sont joués aujourd'hui. Nice affronte Amiens en ce moment. Il y avait 1-0 à la fin du 2-0 même à la fin du premier tiers-temps pour les Aigles de Nice, et évidemment donc la rencontre entre les Brûleurs de Loup de Grenoble et les Dragons de Rouen, les deux meilleures attaques tout simplement qui s'affrontent ce soir. Bien sûr, hein, c'était les deux favoris au titre, hein, cette année. Et effectivement, on a connu, il y avait Angers, bien sûr, hein, qui a une brillante deuxième place. Mais c'est vrai que Rouen a réussi à creuser un écart irrémédiable dès le début de saison. Et c'est vrai que voilà, personne ne les a rattrapés. Mais c'est vrai que là, entre Rouen et Grenoble, hein, on va le dire, c'est les deux derniers champions de France. 15 points d'avance pour les Dragons de Rouen face aux Brûleurs de Loup de Grenoble avant le match de ce soir. Qu'est-ce qui a joué cette saison? C'est la régularité des Dragons. Bien sûr, Rouen a dès le départ considéré que voilà, tous les matchs étaient importants. C'est vrai qu'on était parti dans un contact assez incertain, et ils ont réussi à faire un très très bon début de saison, même si au début ils n'avaient pas joué beaucoup de matchs, mais ils ont été réguliers tout le temps, alors que Grenoble a eu plus de mal à rentrer dans cette compétition. C'est vrai qu'ils n'avaient pas leur patinoire, c'est vrai qu'ils ont eu aussi des problèmes de préparation, et voilà, et cet écart s'est irrémédiablement creusé, et en tout cas Rouen a maintenu ce rythme d'enfer que tous les autres n'ont pas réussi à suivre. On a envie de dire, les Grenoblois ont peut-être plus besoin de cette victoire ce soir pour peut-être passer l'été plus sereinement. Oui, bien sûr, même si ça sera une victoire anecdotique, mais je pense que voilà, les joueurs, en tout cas, malgré tout ce qu'on peut raconter, les joueurs, je pense, ont envie de jouer ce match, ils en ont eu tellement peu cette année, hein, et c'est un vrai choc, même si, on l'a dit, il n'y a plus d'enjeu de place, mais en tout cas, c'est un choc, et les joueurs ont envie de donner leur maximum et de finir effectivement sur une bonne note pour passer un été, on va dire, un peu plus serein. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce match va se jouer. On ne va pas faire de cadeaux, hein, aux adversaires. On s'attend à une grosse intensité de part et d'autre, et notamment avec donc le classement des meilleurs pointeurs, du meilleur pointeur qui peut bouger ce soir. Donc 29 points pour cet homme, Nicolas Deschamps, en 21 rencontres, 10 buts, 19 mentions d'assistance. Ouais, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette Ligue Magnus, Pierre, Nicolas Deschamps. Oui, c'est clair, il a répondu aux attentes, hein. C'est vrai que c'est un des leaders offensifs depuis maintenant plusieurs saisons à Rouen. On peut dire Damien Fleury, bien sûr, hein, qui est maintenant, l'année dernière aussi il avait fait une excellente saison, et il se retrouve, il a remonté là, parce qu'il était assez loin il y a quelques temps, mais il a fait vraiment une très très bonne fin de saison, et il remonte sur Deschamps, qui maintenant, ça fait un long moment qu'il est en tête. Il ne faut pas oublier Gutig, hein, Gutig qui, oui, a fait une très très bonne saison aussi au niveau comptable, un fabricant de jeu, hein, on l'avait vu la dernière fois lors du match que Sport en France avait retransmis. Il était un vrai fabricant de jeu, il fait arriver des choses, et souvent il a été décisif au niveau des passes cette saison. Et vous faites bien de le souligner, 4 buts, hein, pour Anthony Gutig cette saison, pour 22 mentions d'assistance. Il a 26 points donc au total, un point de retard sur Damien Fleury qui lui en a 27, qui en a 2 points de retard lui sur Nicolas Deschamps, 29. Donc voilà, c'est un duel, un match dans le match à suivre. Et c'est sympa aussi que ces deux équipes s'affrontent ce soir. Bien sûr, une sorte de voilà d'apothéose pour ce dernier match de Magnus retransmis par Sport en France. Et c'est clair que voilà, on ne pouvait pas réveiller une meilleure affiche pour finir cette saison 2020-2021. Ça va être compliqué, hein, pour les Brûleurs de Loup de Grenoble, qui ne sont pas favoris même s'ils sont à la maison. Pourquoi? Parce que Rouen, cette saison, c'est la meilleure attaque de Ligue Magnus, c'est aussi la meilleure défense. Et c'est là où on a eu quelques problèmes du côté de Grenoble. On est la 5e meilleure défense de Ligue Magnus.
C'est là que ça s'est joué aussi, Pierre. Oui, je pense aussi, effectivement. Ils n'étaient pas au point défensivement au début de saison. Et ils ont pris. Il y a eu beaucoup de matchs où ils ont mené, où ils se sont fait dépasser à la fin. Et aussi de nombreux matchs où il y a eu beaucoup de buts. Donc, bien sûr, avec la puissance offensive qu'on connaît à Grenoble, avec les Fleury, les Sacha Treille et tous les joueurs Champagne, Vallier qui n'est pas là ce soir. Mais en tout cas, oui. Tous ces joueurs-là, effectivement, on savait qu'ils pouvaient produire. Mais c'est vrai que défensivement, ils n'ont pas répondu aux attentes cette année, les joueurs de Grenoble. Beaucoup d'absents, vous l'avez dit, du côté des brûleurs de loups de Grenoble, ce qui laisse des opportunités pour les jeunes joueurs de la formation grenobloise, qui restent sur une grosse victoire hein, face à Anglet sur le score de 7-1, tandis que du côté de Rouen, eh bien, on a été battu lors du dernier match et dans le temps réglementaire, Pierre. Oui, c'était la première fois que ça arrivait. C'était un peu l'enjeu de cette fin de saison hein, pour Rouen, essayer de maintenir cette invincibilité dans le temps réglementaire. Et Gap a encore une fois créé la surprise. Parce que Gap, sur les deux matchs qu'ils ont joué contre Rouen, ils ont gagné deux fois. Et donc justement ce match à Rouen, où ils ont réussi à battre pour la première fois de la saison les Dragons rouennais avant la fin du temps réglementaire. Les deux formations qui se rassemblent autour de leur gardien. La pression qui monte tranquillement mais sûrement avant le début de cette rencontre, de ce grand choc de Ligue Magnus entre les Dragons de Rouen et les Brûleurs de Loups de Grenoble. C'est un match à ne pas manquer, quel que soit l'enjeu, il va se passer des choses, ça c'est une certitude. Et on échange longuement du côté des Brûleurs de Loups de Grenoble, on sent qu'on a envie de terminer sur une bonne note. Les alignements qui s'affichent sur votre écran pour cette rencontre. On y aperçoit beaucoup de jeunes du côté des Brûleurs de Loups de Grenoble qui restent donc sur une victoire 7-1. Et par exemple, hein, et les jeunes qui ont contribué, par exemple Nikita Chalet, deux mentions d'assistance dans le match précédent face à Anglet. Oui, un joueur du centre de formation. Il y a beaucoup de joueurs du centre de formation de Grenoble. Hein. Qui a produit beaucoup de joueurs ces dernières années. Et effectivement, Chaleil, Flavien Dair et d'autres sont tous issus de ce centre de formation. Au même titre que Rouen. Rouen aussi, ils ont, oui. On l'a déjà souligné, ils ont une ligne complète de jeunes joueurs français. On écoute l'hymne national français. Ça y est, l'hymne national français a été entonné. On va pouvoir y aller pour le grand choc, le grand classique du hockey sur glace français entre les Brûleurs de Loups de Grenoble et les Dragons de Rouen. Les deux formations qui se préparent tranquillement pour le premier tiers-temps de cette rencontre. On aperçoit évidemment Damien Fleury qui va démarrer aux côtés de Treille et de Legault. En attaque et de l'autre côté Nicolas Deschamps avec Jacob Lagacé et Joris Benin. Et pour les défenseurs, Enzo Catagallo avec Chakiachvili du côté des Dragons. Et Roy est sauvé du côté des Brûleurs de Loups de Grenoble. Et c'est parti pour cette rencontre, ce grand classique du hockey sur glace français entre les Dragons de Rouen et les Brûleurs de Loups de Grenoble. Les premières charges de Fleury sur le côté. Déjà de l'intensité dans ses premières secondes. Oui, oui. Oh, un vrai match de play-off. Ça part vraiment intensément. Ouais, attention, avec premier lancé pour Fleury. Et premier arrêt pour Mattia Pintarić.
Joris Bedin qui a pris un sacré coup. On met une grosse pression, grosse intensité dès le début du match du côté des Brûleurs de Loup de Grenoble, avec deux lancers, un cadré et un qui a été dévié, qui a touché le filet de protection. Ça promet, Pierre. Oui, oui, ça fait plaisir à voir un match qui part avec plein d'intensité. Déjà au moins 3 ou 4 mises en échec en l'espace d'une trentaine de secondes. Voilà, ça promet, c'est le choc qu'on attendait. Champagne face à Guttig pour prendre cet engagement en zone neutre, et c'est le Français qui remporte cet engagement avec Cam Barker, le capitaine des Dragons, qui cherche Roland Vigneurs, meilleur buteur à égalité de Ligue Magnus. Et la passe qui est mal ajustée, dégagement refusé au Dragon. On l'a évoqué, mais un enjeu aussi important pour ce joueur, un Vigneurs qui est en tête du classement des buts marqués, et je pense qu'il veut maintenir cette avance sur Damien Fleury toujours. Oui, pas mal de choses à jouer dans cette rencontre. Maxime Lamarche, le défenseur, la passe pour Guttig. Attention, ça a été dévié. Nouveau revirement en zone défensive pour les Dragons, et qui s'en sortent grâce aux mains de Roland Vigneurs. Avec la marche, ouais, qui temporise sur le côté, trouve Brock Trotter. La déviation, elle est bonne pour Roland Vigneurs. Il y a un coup à jouer, 2 contre 2. Roland Vigneurs, la fin face à Léardi. L'attaquant redescendu pour venir défendre. Guttig. Elle s'est récupérée finalement par les Brûleurs de Loup. Champagne qui cherche Kierny. Et s'est récupéré par les Dragons. Vigneurs, la passe derrière lui. Avec Pierre Crinon, ah, elle est bonne cette passe pour Brock Trotter. L'incursion en zone offensive, peut-être le premier lancé pour les Dragons. La passe derrière, Crinon, le tir. Oh, il y avait beaucoup de monde devant les buts du gardien des Brûleurs de Loup de Grenoble. Et finalement, l'arrêt qui est fait. Ah, il n'a donné aucun rebond, le portier grenoblois. Ouais, Lucas Sorak, c'est bien fait. Il y avait beaucoup de monde là devant ces filets. Et ça fait un lancé de part et d'autre. Avec l'engagement en zone offensive pour les Dragons, le tir de Loïc Lamperrier, et quel arrêt de la part de Horak. C'est la première véritable opportunité de cette rencontre et elle est à l'actif des Dragons. Ah, il a surpris tout le monde là avec ce lancer. Il a même jamais regardé le but. Caron à l'engagement. Et ce palais qui est récupéré par Munoz. La passe derrière lui, Roy. Attention, il est pris par Vincent Nézat. Le revirement qui est provoqué avec Lamperrier. Là aussi, du côté des Dragons, on met de l'intensité en échec avant. Le palais qui est mis sur le côté. Vincent Nézat en zone neutre avec Chakiashvili. Ouais, l'international français qui conserve le palais. Et attention, il est pressé par Munoz. La passe sur le côté pour Nézat. Non, c'est pas mal. Attention à l'incursion en zone offensive. Le lancer du revers de Koivisto. Griff avec Cam Barker à la bleue. Maxime Lamarche qui temporise, préfère repasser. On cherchait la déviation. Finalement, c'est passé à côté des buts du portier grenoblois. Attention, ça peut aller très très vite en contre. Ah, c'était Flavien Dair, je pense, qui avait débordé. Ouais, effectivement. Le frère de Aurélien. Eder qui vient mettre de l'intensité avec la charge sur le côté. Thomas Zidon qui met ce palais en fond de territoire. C'est récupéré par les Brûleurs de Loup et par le capitaine assistant Damien Fleury. Oh, ça vient chauffer là avec Thomas Zidon. Un petit peu de provocation entre les deux joueurs. L'incursion en zone offensive pour les Brûleurs de Loup. On fait le tour en début de Mattia Pintarić avec Yann Sauvé, le défenseur, ouais, qui a réussi contre à conserver la possession du palais. Il est passé vite. Le Français Joris Bedin, la passe derrière, elle est superbe. Le lancer finalement dévié. Ce tir de Jacob Lagacé. Contré au dernier moment par le défenseur grenoblois. Bedin avec Floud à la bleue. Ouais, le tir lointain, on cherchait la déviation. Encore un arrêt pour Lucas Orac. Bedin, ouais, qui cherche une opportunité, trouve Jacob Lagacé. La passe derrière, c'était Nicolas Deschamps qui était recherché. Ah, les deux meilleurs scoreurs de Ligue Magnus face à face qui se chargent, et derrière Trey à l'expérience qui vient dégager son camp. Pas beaucoup d'arrêt de jeu dans ces premières minutes, beaucoup d'intensité. Et on est sur un parti sur un but assez fort. Attention à l'erreur, ce palais qui a été lu par Kierny. La passe derrière, ça va venir jusqu'à Lucien Ono. Le tir de Ono, il y avait Alerdi. Et finalement, c'est un arrêt pour Mattia Pintarić. Palais qui revient jusqu'à Ono de l'autre côté. Pour Hardy, le tir lointain et arrêt sans rebond laissé par le portier rouennais, ouais, un des meilleurs de Ligue Magnus depuis quelques années maintenant.
et qui participe grandement à la performance défensive des Dragons cette année, comme les années précédentes. Et là, il a fait un arrêt du plastron, pas de rebond, engagement dans la zone défensive de Rouen. Champagne face à Anthony Guttig, engagement remporté par le Rouennais Enzo Catagallo. Champagne pour Ali Hardy derrière les buts de Mattia Pintarik. Ali Hardy qui cherche une opportunité, la passe derrière pour Hardy qui manque son tir sur réception. Trotteur se demandait où était le palais, il était devant lui. Chakiashvili qui conserve ce palais en zone neutre, lève la tête et cherche une opportunité. Passe palais à Loïc Lamperrier qui passe la ligne médiane, l'incursion en zone offensive face à Hardy. Lamperrier qui se retourne, la passe derrière pour Lamarche qui bloque ce palais à la bleue, lance à côté des buts de Aurac et c'est récupéré par Lamperrier qui était sur le rebond. Caron, le Québécois face à Hardy. Caron, la passe pour Cam Barker. Attention au tir de Cam Barker, le tir en haut du corps et le rebond laissé par Lucas Aurac. Grosse séquence là proposée par les hommes de Fabrice Lhenry en zone offensive avec la passe pour Neza, c'est finalement récupéré, attention ça peut aller vite. Il est parti Munoz, derrière devant la cage. Oui, il y avait derrière le tir au puissant qui est arrêté par Mattia Pintarik, le tir en hauteur. Ouais, la ligne des jeunes de Grenoble qui met un peu le feu. Une ligne extrêmement rapide. Neza qui a été gêné. Le palais qui est récupéré par les brûleurs de Lugo, qui met ce palais en fond de territoire. Lamarche avec Flavien Der qui vient mettre la pression. Neza qui tente de dégager son camp. Colvisto qui dégage son camp. Et pas de dégagement refusé. Il y a même, attention, à Gurif qui va à toute vitesse. Et finalement, ouais, ce palais qui a franchi la petite ligne de l'autre côté. Et donc, dégagement refusé aux Dragons de Rouen. Et pour l'instant, pas de round d'observation dans ce début de rencontre. On la joue très agressif des deux côtés, Pierre. Oui, tout à fait, mais on n'arrive pas à trouver les opportunités dans le slot ou devant la cage. C'est plutôt sur les côtés. Il y a eu des occasions, mais finalement pas tant que ça dans la zone du buteur. C'est vrai que les défenses prennent le dessus. Tout à fait, exactement. Les défenses arrivent à mettre le jeu sur le côté ou dans les coins. Damien Fleury au cercle des engagements face au Finlandais Koivisto. Le tir lointain. Oh, il y avait beaucoup de monde là devant les buts de Mattia Pintarik. La charge sur le côté de Lamarche sur Trey Gurif face à Fleury. Le palais qui est dans le coin. Beaucoup de joueurs là sur Damien Fleury. Un palais qui est mis en fond de territoire par l'international français. Ouais, mais tous jouent contre les bandes. Le go. Et palais récupéré par Gurif. Cette panne est bonne pour Tomasino. Tomasino. La feinte et l'accélération face à Roy. Tomasino qui met ce palais en fond de territoire. Yann Sauvé avec la possession du palais sur le côté pour Roy. Tomasino qui vient mettre de l'intensité et de la pression sur Roy avec Koivisto. Il gêne la relance des Grenoblois pour le moment. Avec le palais qui est récupéré par Nicolas Deschamps. Allez Hardy, Deschamps. Et finalement c'est sorti. Et attention au contre emmené par l'ancien Rouennais. Allez Hardy. Un crinon, c'est bien fait défensivement. Attention à cette relance avec Kearney. Le lancer de Allez Hardy. Attention, c'est une fine gâchette. Et c'est un lancer qui est bien capté par le gant d'attrape de Mattia Pintarik. Oui, Allez Hardy, quand il reçoit n'importe quel palais, qu'il est en position de shooter, il va chercher la cible. Et il a eu beaucoup de succès. Effectivement, il avait joué à Rouen il y a deux ans. L'année dernière, il jouait à Grenoble. C'était un des transferts de l'année. 26 buts inscrits la saison dernière par l'Américain Alex Allez Hardy pour 37 mentions d'assistance. Énorme saison pour le numéro 42 des Brûleurs de Loup. Champagne. C'est Échalé qui a dégagé son camp. Crénon. Avec l'agacé, la passe de l'autre côté à l'aveugle. C'est bien fait pour Nicolas Deschamps. Encore un 2 contre 2. Il y a Joris Bedin avec Nicolas Deschamps. La temporisation, elle est superbe cette passe de Nicolas Deschamps. Et derrière le tir, il a cherché entre les jambes Joris Bedin. Et c'est arrêté par Lucas Aurac. Oui, Deschamps qui avait fixé les deux défenseurs pour lancer Bedin d'une petite passe en profondeur. Bedin s'est retrouvé tout seul. Et Aurac a dit non.
On a vu tout le génie de Nicolas Deschamps, le joueur drafté au second tour de la draft 2008. 35e choix au total par les Ducks d'Anaheim. Beaucoup de joueurs dans cette rencontre ont d'ailleurs été draftés la même année, en 2008. Il y a également Joël Champagne du côté des Brûleurs de Loup. Et Jacob Lagacé, son compère de trio. Joueur avec lequel Nicolas Deschamps a remporté le championnat du monde U18 avec du monde. Tyler Hall, Jake Allen, Braden Chen, Ryan Ellis, Matt Duchesne. Ils se retrouvent à Rouen sur le même trio. Ils se connaissent donc parfaitement bien et depuis des années. Attention avec le tir lointain de Chakiashvili qui est arrêté par Lucas Sorak. La passe derrière, Roland Vigneurs. Ouais, c'est bien fait, Roland Vigneurs qui remporte son duel. Chakiashvili qui trouve Vigneurs, le bras de l'arbitre qui est levé. Et attention, c'est l'une des clés de la rencontre, vous l'avez entendu en avant-match, la discipline. Et ce sont les Dragons de Rouen qui vont évoluer eh bien, en premier, en avantage numérique. Et sur ce contrôle, Vigneurs a fait la différence. Il a fait un petit contrôle et un démarrage. Et Sauvé est arrivé, a fait la faute, fait trébucher Vigneurs. Ça va être le premier powerplay de Rouen. Là, on voit, la croisant les patins, les deux arbitres ont levé ensemble le bras. Rock Trotter, il y a Anthony Guttig, il y a Roland Vigneurs, Floud et Lamarche. On joue avec deux défenseurs du côté des Dragons de Rouen. Et discussion là entre. Alors, qu'est-ce qui se passe central, ouais, que se passe-t-il? Et il y a un joueur qui va être chassé aussi. Ouais, c'est Roland Vigneurs parce qu'il a fait trébucher derrière aussi. On l'a vu sur les images. Oui, alors bon. On n'a pas profité longtemps de l'avantage numérique. Ils des ont Dragons mis les deux, de, alors je de sais Rouen. Pas. Peut-être que c'est sur un plongeon. Ouais, en fait, c'est quand même bizarre on l'a fait trébucher et derrière, en tombant, il a fait trébucher aussi. Et donc, on a préféré sanctionner les deux joueurs. Je pense que c'est ça. Pourquoi on engage dans la zone Pourquoi on engage dans la zone de Rouen? Ça, je ne sais pas trop. Parce que c'est 2 plus 2. Hardy. Oh, la feinte sur Brock Trotter. Le bras de l'arbitre qui est levé. Coup de sifflet de l'arbitre. Et Brock Trotter qui va être chassé. On s'attendait à une supériorité numérique des Dragons de Rouen. Finalement, ils vont se retrouver en infériorité numérique derrière. Avec deux pénalités coup sur coup. Une de Roland Vigneurs et une de Brock Trotter. Quel jeu aussi à la bleue de Hardy. Engagement donc en zone offensive, 4 contre 3, beaucoup d'espace pour cette supériorité numérique des Brûleurs de Loup de Grenoble avec le goal, la déviation de Treil pour Hardy. On est bien installé, ça y est, du côté des Brûleurs de Loup, on a une véritable opportunité d'ouvrir le score. Oh, quel missile de la part de Treil et quel arrêt de Mattia Pintarić. Le palais est resté collé à sa jambière, heureusement parce qu'il y avait du monde qui était prêt à prendre ce rebond. En tout cas, c'est vrai que c'est la meilleure configuration, 4 contre 3. On dit que c'est encore mieux que 5 contre 3. Mais voilà. On a tout de suite vu un shoot intéressant de la part de Sacha Treil, international français. Treil. Et on remporte les engagements là dans cette supériorité numérique du côté des Brûleurs de Loup. Fleury, le décalage sur Hardy qui cherche derrière l'international français. Le tir légèrement dévié qui vient toucher le filet de protection. Que d'agressivité du côté des Brûleurs de Loup sur ces premières secondes d'avantage numérique. Ouais, ouais, ça circule bien et on va tout de suite chercher le tir dès qu'il y a l'opportunité. Et là, ce shoot de Fleury qui s'était retrouvé dans l'axe a été dévié au départ par Nisa. Et encore un engagement remporté par les Brûleurs de Loup. C'est superbe ce qu'a fait Fleury à la bleue. L'intervention à mi-hauteur. Le tir qui est bien bloqué là par Jacob Lagacé. Ils sont là les Rouennais, hein, ils sont devant les shoots. Treil avec le tir de Fleury, le sniper, le tir sur réception avec un genou sur la glace qui est passé juste au-dessus de la barre transversale de Mattia Pintarić. On sent qu'il y a une vraie opportunité là pour les Brûleurs de Loup et bien de faire la différence sur cet avantage numérique. Treil, ils ont trois snipers en parapluie, les Brûleurs de Loup, hein, Fleury au centre, Treil à droite et Hardy à gauche. Il a gassé. Qui parvient à bloquer ce palais et dégager son camp. Encore 53 secondes à faire en avantage numérique pour les Brûleurs de Loup. Champagne sont montés. Fleury, la passe derrière pour Champagne. Ça y est, on est bien installé. Champagne
Ouais, la passe de l'autre côté cherche Aléardi, ça a été ralenti, mais ils ont toujours la possession du palais. C'est bien fait, ce décalage pour Fleury avec Champagne. Finalement, c'est bien défendu de la part de Koivisto. Bloqué. Kierney avec Champagne. Alors que seul Fleury est resté. Attention, il temporise le tir. Et c'est Cantagallo qui vient bloquer ce lancer. Fleury sur les quatre premiers est resté avec trois autres joueurs. C'est toujours lui qui est à la pointe pour shooter. Oui, aucun défenseur présent sur cette supériorité numérique. Attention avec Vincent Lisa, la charge de Fleury. Le bras de l'arbitre qui est levé. Voilà, il y a 5 secondes de la fin de la deuxième pénalité. C'est Fleury qui fait l'erreur. Ah, parce qu'il avait joué sa chance, hein, le joueur rouennais. Il partait avec le palais. Et Fleury était obligé de faire la faute. C'est Nessa. Ouais, Nessa. Au lieu de dégager le palais, il a vu l'opportunité, il a vu l'espace. Fleury. On peut dire que c'est une bonne faute. Oui, parce qu'effectivement, Fleury, ça faisait presque 2 minutes qu'il était sur la glace. Il ne pouvait pas patiner avec Munoz. Donc, effectivement, il a fait la faute. Faute avec Viniers. Et retour sur la glace de Brandt Trotter. Et donc avantage numérique maintenant pour les Dragons de Rouen. Beaucoup d'indiscipline de part et d'autre là depuis quelques minutes avec Viniers. La feinte sur Sauvé et c'est finalement récupéré par Roy face à Brandt Trotter. Roy qui tente de dégager son camp. Attention au contre. Il y avait Loco qui était présent finalement. Le palais qui a quitté l'aire de jeu. Et engagement donc en zone neutre. Avantage numérique donc pour les Dragons de Rouen, le premier dans cette rencontre pour encore 1 minute et 39 secondes de jeu. Guttig, le décalage sur le côté avec Floud qui met ce palais en fond de territoire. La bonne sortie de Orak qui tente de dégager son camp, il y parvient. La marche qui stoppe mais en zone neutre, tout est à refaire pour les Dragons. La marche, la feinte sur Champagne. Avec Floud qui remonte ce palais. Floud, la passe derrière avec la marche. Le décalage sur le côté Guttig. Il y a Vigneurs qui est présent également. L'incursion en zone offensive est bonne. Et on est bien installé du côté des Dragons de Rouen avec Trotter pour la marche qui remet sur Brandt Trotter. La marche, le décalage pour Floud. Le tir qui a été bloqué par Roy. Et derrière, le rebond qui est saisi par Anthony Guttig qui vient ouvrir le score dans cette rencontre en avantage numérique. 1-0 pour les Dragons de Rouen. Oui, parce que le shoot de la pointe a été dévié. Il s'est retrouvé devant la crosse d'Anthony Guttig qui est d'une petite pichenette abattue à l'ac. Guttig revient au niveau de Fleury, au niveau des classements des compteurs. Là, on voit le shoot dévié. Guttig récupère le palais, un petit revers. Sûrement Floud et la marche hein, pour bien sûr pour les assists. Ouais. Mais dans le duel à 3 dont on parle, effectivement, Guttig a marqué le point qui lui permet de revenir à égalité avec Fleury. Et donc à 2 points de Nicolas Deschamps. En tout cas, 1-0 pour les Dragons de Rouen qui ouvre dans le score, premier tiers-temps. Qui ouvre le score sur leur deuxième supériorité numérique. Chakeshvili, ouais. Qui est donné à l'arbitre finalement. Ouais, parce que la première supériorité numérique, elle a été annulée entre guillemets avec Vigneurs qui a fait la faute tout de suite après. Tout à fait, effectivement. Ono ouais, qui met ce palais en fond de territoire et dégagement refusé au brûleur de loup de Grenoble. Pour l'instant, oui, l'indiscipline qui fait la différence dans cette rencontre. On n'a pas réussi à en profiter du côté des brûleurs de loups avec de nombreuses opportunités en supériorité numérique. Deux minutes quasiment à 4 contre 3. Et derrière, Anthony Guttig qui vient marquer son 5e but de la saison. Son 27e point. On parlait de lui en tant que passeur. Et il est buteur ce soir. Quant à Gallo, attention, il y a une grosse opportunité avec Koudry. Ouais, la feinte de Koudry, la passe, ça a été bien bloqué par Chakeshvili. Pour checker, là, il y avait du monde qui était là pour récupérer ce palais. Deschamps, ouais, qui met ce palais en fond de territoire. Orak avec Hardy. La passe derrière, attention, il y avait Deschamps qui était extrêmement bien placé, qui a failli intercepter cette passe. Avec Fleury qui est de retour, évidemment, sur la glace. Le tir en angle fermé, il cherchait la lucarne. Et c'est arrêté par le gant d'attrape de Mattia Pintarić. La lucarne droite du droitier.
Et Pintarić avait le gant dans la lucarne. Il a capté ce palais. Engagement en zone offensive pour les brûleurs de loups de Grenoble. Il reste 7 minutes et 53 secondes avant la fin du premier tiers-temps. Et les Dragons ont ouvert la marque il y a quelques instants en avantage numérique par l'intermédiaire de Anthony Guttig. Lamperrier, le palais sur le côté avec Lego. Fleury, un petit peu esselé. Fleury qui met ce palais en fond de territoire. Compte sur le soutien de ses coéquipiers pour aller presser en fond de zone. Fleury avec la marche. Neza. Ce palais qui est récupéré par Damien Fleury, mais encore Vincent Neza, hein, qui est connu pour son fort travail défensif, qui est présent. Et puis la marche qui est au coude à coude avec Fleury. Avec Kearney. Ouais, la grande crosse de Kearney. On cherche la déviation. Oh, le but était vide. C'était bien. Damien Fleury qui a failli répondre à Guttig. Oui, il avait contrôlé le palais, il s'était glissé entre les jambes. Et au moment de conclure, il a été gêné. Attention avec ce décalage de Lamperrier pour Vincent Neza. Et le tir qui est arrêté par Lucas Aurac. Beaucoup d'opportunités dans ce premier acte. Et pour l'instant, un but inscrit. Floud pour Crinon. Le tir lointain. Encore un arrêt pour Lucas Aurac. Kearney. Ouais, qui cherche. Champagne dans la profondeur. C'est finalement bien couvert par Crinon avec Gurif, Koivisto, Tomasino. Ouais, qui lance directement sur Aurac pour venir obtenir un engagement en zone offensive. C'était bien joué parce qu'il n'y avait pas grand. Il n'y avait pas de ligne de passe, donc il fallait qu'il mette le palais sur la cage en espérant peut-être un rebond ou au pire, et c'est ce qui est arrivé, un arrêt de jeu qui permet un engagement en zone offensive. Pour prendre cet engagement en zone défensive face à Koivisto, et c'est le Finlandais qui le remporte avec Floud, le tir sur réception qui est bloqué par Flavien Der, le frère d'Aurélien, les deux sur la même ligne. Oui, les deux joueurs formés à Chambéry, hein, qui sont maintenant depuis quelques années dans le centre de formation de Grenoble. La passe derrière pour Crinon. Qui sont bien sûr passés avant par le pôle espoir de Grenoble. Club formateur s'il en est. Un duel de pôle aussi hein, ce soir. Bien sûr. Oui, parce que deux des France. Exactement, de chaque côté. Il y a des joueurs issus des pôles respectifs. Et ça fait plaisir. Tomasino qui vient de Grenoble aussi. Ouais. Est formé à Grenoble. Gurif. Quant à Gallo, né à Grenoble. Oui. Génère de Villard. Ouais, Tomasino avec Gurif. La tête levée cherche le buteur Anthony Guttig. Finalement, est contraint de quitter la zone offensive. La passe de l'autre côté pour Quant à Gallo. À qui cherche et trouve Anthony Guttig. La passe du revers cherche Roland Zwiniers. Finalement, c'est récupéré par les brûleurs de loups qui vont pouvoir repartir à l'attaque. Fabre. Ouais, l'accélération de Fabre face à Quant à Gallo. Qu'est-ce qu'il est rapide, oui. Avec Guttig. L'incursion en zone offensive. Brock Trotter. La passe pour Anthony Guttig. Oh, qui a frôlé le doublé. Finalement, c'est encore un arrêt. Touché pour Lucas Aurac. C'est pas fini. Oh, attention, ce palais qui traîne. C'était Brock Trotter qui était recherché là par Roland Zwiniers. Encore une grosse opportunité pour les Dragons. Coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, je pense que la marche a accroché Dylan Fabre qui partait. Oui. Avec ses jambes de feu. Mais il a vu accélérer tout à l'heure. Des deux grosses opportunités là pour Rouen. Coup sur coup, Guttig est omniprésent dans cette rencontre. Hein. Anthony Guttig. Et oui, c'est le troisième larron. Et là, on voit il encore une opportunité. Le palais va revenir, il me semble. Hop là, oui. Voilà. Ah, il a cherché entre les jambes. C'est un arrêt pour Lucas Aurac qui est derrière Brock Trotter. Brock Trotter qui peut pas prendre ce rebond. Ouais. Et donc avantage numérique pour les brûleurs de loups de Grenoble, opportunité pour les hommes de Edo Terglav de revenir dans cette rencontre à égalité. Ils se sont procurés de nombreuses opportunités lors de la précédente supériorité. Et ils font circuler cette fois-ci avec Trey. Et le tir de Hardy, arrêt de Mattia Pintarić et ce palais qui quitte l'air de jeu finalement. Oui, Hardy qui était là, qui s'était infiltré pour faire une reprise de volée. Il a été obligé de contrôler et se déporter un peu.
Pintarik a dévié dans les filets. Hardy, Legault, Munoz, Trey et Fleury pour tenter de tromper Mattia Pintarik en avantage numérique. Le missile de Trey qui passe au-dessus des buts de Mattia Pintarik. On est une fois de plus vite installé du côté des brûleurs de loups. Hardy, la passe derrière pour Fleury avec Trey qui cherche la lucarne. Ça a été dévié par la crosse de Marc Cloud. À chaque fois, il y a un Rouennais qui est là en block shot pour dévier le palais. Koy Visto qui parvient à dégager son camp. Et ils ont du mérite parce que Grenoble fait bien circuler le palais, trouve les solutions de shoot. Mais on se décale bien du côté de la boxe rouennaise. Et Trey qui change pour Champagne. L'incursion en zone offensive de Sauvé. Et qui se retourne, Sauvé. La passe dans les patins de Kearney. Avec le tir plutôt de Allé Hardy. Bien arrêté par Mattia Pintarik. Oui, Allé Hardy qui a fait mine de chercher une solution de passe. Finalement a shooté. Pintarik a son habitude, comme à son habitude, n'a pas donné de rebond. Gros début de match pour le portier des Dragons de Rouen. Mattia Pintarik pour l'instant extrêmement propre. Sauvé. Ouais. Ah, le palais abondi. Sautillante. Permet à Rouen de reprendre la zone neutre. Sauvé. Autre joueur drafté en NHL en 2008. Qui met ce palais en fond de territoire. Sauvé. Ouais, le tir lointain. C'est bloqué cette fois-ci par Joris Benin. Ils sont extrêmement bien placés, les hommes de Fabrice Loris. Oh, le lancer de Allé Hardy. L'ancien Rouennais qui vient trouver la lucarne de Mattia Pintarik. En avantage numérique, là aussi. Et ça fait un partout. Oui, super but d'Allé Hardy qui avait tenté en marche arrière tout à l'heure de trouver la même lucarne. Là, il a reçu un palais qui venait d'en haut et il s'est introduit dans l'enclave. L'extrême bout de l'enclave, et il a cherché la lucarne droite, il l'a trouvée, il fait mouche. Ah, là où maman cache les cookies, hein. C'est vraiment exactement la lucarne qui est trouvée par, par Allé Hardy. Il n'y a plus de toile d'araignée dans les buts de Mattia Pintarik, et ça fait donc un partout dans cette rencontre entre les brûleurs de loups de Grenoble et les dragons de Rouen. Et un duel qui tient toutes ses promesses, hein, deux buts en supériorité numérique. Et attention, ça donne peut-être des ailes aux brûleurs de loups, le bras de l'arbitre qui est levé. Encore un avantage numérique à venir pour l'équipe à domicile. Et oui. Et coup sur coup, on vient de prendre un but en désavantage numérique. Et cette fois-ci, c'est Cam Barker qui est chassé. Ouais, sur une faute devant Pintarik, sur le joueur grenoblois. Et on a entendu un Fabrice Lanry, avant la rencontre, dire surtout qu'il va falloir rester discipliné parce que l'avantage numérique des brûleurs de loups est bon. On en a eu l'illustration il y a quelques instants avec le tir de Allé Hardy qui a trouvé la lucarne de Mattia Pintarik. Attention avec Allé Hardy. Non, c'est Hardy, pardon, cette fois-ci qui a surgi. Et ce palais qui est dégagé finalement par les dragons de Rouen. Oui, c'est l'autre powerplay là qui est aux manettes avec effectivement Fleury, Legault, Hardy, Sacha Trey et Munoz devant la cage. La passe mal ajustée, le palais dans la crosse de Fleury qui remonte toute la glace. Damien Fleury, l'incursion en zone offensive pour Trey qui se retourne. Trey. Ah, ouais. Le palais lui a échappé. Ah, oh, il est parti. Défendu. Attention avec Neza qui donne beaucoup depuis le début de cette rencontre. Neza en un contre un cherche à tromper Lucas Aura du revers. Et finalement, c'est un arrêt pour le portier des brûleurs de loups. Mais il ne démérite pas, hein, vraiment. Ouais, Vincent Neza, il ne ménage pas ses efforts depuis le début de la rencontre. Ce qu'il avait essayé de faire tout à l'heure, là, il est parti plein axe. Il y a Hardy qui est là pour revenir. Il protège bien son palais. Une petite feinte. Il va essayer de la glisser sur son revers. Et Alak n'était pas. Aurac n'était pas. On peut l'appeler Alak là-dessus. N'était pas parti dans la feinte. Et il a arrêté le palais avec la mitaine. Et encore un arrêt de la mitaine. Ouais, sur l'engagement. Pour Lucas Aurac. Un duel de gardien qui tire toutes ses promesses, hein, là aussi. Ah oui, c'est clair que deux des meilleurs portiers de la ligue. Engagement en zone offensive pour les Dragons de Rouen qui ont un joueur de moins. Pour encore 1 minute et 6 secondes. Der, il est parti. Sur le côté, le tir, il cherche la lucarne, c'est un arrêt pour Mattia Pintarik. Le rebond, qui est saisi par Kearney.
Et encore un arrêt pour Mattia Pintarić. Attention, allez Hardy. Ouais, il a marqué un but de cet endroit tout à l'heure. Il va rechercher, à prendre de la mais vitesse. Là on ne lui laisse pas rentrer dans sa position préférentielle. C'était bien joué, mais bien aussi défendu. Champagne qui cherche un coéquipier. Attention, ça a été bloqué par les Hardy. Finalement, c'est Enzo Cantagallo qui est premier sur ce palais, mais ne parvient pas à dégager son camp. Champagne, on cherche la déviation de Kearney qui n'y parvient pas devant les buts de Mattia Pintarić. On ne parvient pas à se dégager ici. Yann Sauvé ne bloque pas complètement ce palais et la passe tout de suite sur le côté pour aller Hardy. L'incursion en zone offensive. Oh, et qu'est-ce qu'il est fort techniquement, aller Hardy, mais il a été stoppé par Kearney. Il y allait un peu tout seul. Il y avait trop de Rouennais autour de lui. Et c'est ressorti. Dont l'international, le français Pierre Crillon. Le go. Et sur le côté. On passe en fond de glace. 4 secondes encore à faire en désavantage numérique pour les Dragons qui vont tenir cette fois-ci. Bon. Tandis qu'il reste un peu plus d'une minute à faire avant la fin du premier tiers-temps. Le go. La passe sur le côté avec Hardy. L'incursion en zone offensive. Il est passé. Hardy. Attention, la passe derrière. On le cherchait Damien Fleury. C'est un petit peu trop derrière lui. Ono, ouais, Deschamps, encore une fois très bien passé, la passe de Deschamps, très fort. C'était pas mal, il avait cherché l'axe. Le go, ça va très vite hein, dans cette fin de premier tiers d'un but à l'autre. Avec Fleury, et finalement ce palais qui est dégagé, avec Deschamps, le 1 contre 1, Nicolas Deschamps, le tir. Ouh, ça passe juste à côté des buts de Lucas Aurac, un peu plus de 30 secondes de la fin du premier tiers temps. Hardy qui temporise, me calme les choses. Là, ça va très vite d'un but à l'autre. Munoz. Ouais, le lancer qui est bloqué par Florian Chakiashvili. 16 secondes encore à faire avant la fin du premier tiers-temps. Favre avec Gutig. Buteur des Dragons de Rouen ce soir. Anthony Gutig, l'incursion en zone offensive. Le tir ou qui passe au-dessus des buts de Lucas Aurac. C'était puissant. Il reste moins de 5 secondes à faire avant la fin du premier tiers. Et finalement, ce palais qui est récupéré par Favre et qui met ce palais en fond de territoire. Un partout à l'issue du premier acte de ce grand match entre les Dragons de Rouen et les Brûleurs de Loup de Grenoble. Et ça commence à échanger un petit peu. Là, c'est Munoz et Vigneurs, deux joueurs qui se sont côtoyés du côté des Scorpions. Oui, de Mulhouse avant de rentrer au vestiaire. Quelques mots entre les deux hommes. On sent qu'il peut encore se passer beaucoup de choses, Pierre. Oui, un match qui tient toutes ses promesses hein. Ça fait plaisir de voir que les joueurs ont vraiment à cœur de bien finir cette saison. Et on a vu un premier but en supériorité numérique de Gutig, des Rouennais. Tout de suite derrière, les Grenoblois ont réussi à égaliser sur une autre supériorité numérique. En tout cas, il y a de l'intensité, il y a de la vitesse, il y a des opportunités. Ça promet pour la suite du match. Ah, et tous les ingrédients sont là pour un grand match de hockey sur glace ici à Pôle Sud. Allez, c'est la première pause de cette rencontre. Surtout, restez avec nous. Entretien exclusif avec Damien Fleury dans un instant, suivi d'un reportage Sport en France sur la légende des Brûleurs de Loups. Christophe Tartari, à tout à l'heure. Bonsoir Damien, vous avez passé 6 saisons cumulées en Ligue Magnus à Grenoble. Il représente quoi pour vous ce grand classique Rouen-Grenoble ? Ouais, bonsoir. C'est vraiment un match particulier. C'est vraiment deux grosses équipes de la Ligue Magnus et à chaque fois on est vraiment, que ce soit du côté de Rouen, du moins je pense, ou de notre côté, on est vraiment content de se rencontrer à chaque fois. Ça fait vraiment des beaux matchs. Et puis on l'a vu sur la finale il y a 2 ans maintenant, ça a été vraiment une sacrée finale. Et c'est deux clubs rivaux, puis que ça soit sur la glace ou ailleurs, ça a toujours été comme ça. Et c'est vraiment des moments spéciaux, des matchs spéciaux à jouer. Ouais. Les titres de meilleur buteur et de meilleur scoreur se jouent ce soir entre vous et des Rouennais. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire ? Une motivation, je sais pas. Après, c'est sûr que ça va mettre un peu de piment au match, mais non. Après, c'est clairement pas l'objectif ce soir. Nous, l'objectif c'est de faire un bon match et de gagner. Et puis après, on verra. C'est sûr que si au final on gagne le match et j'ai la chance de finir meilleur pointeur, je serai content. Mais c'est clairement pas l'objectif ce soir. Après 17 ans de carrière un petit peu partout dans le monde, en Chine, en Suède, en Finlande, en Suisse. Quel regard vous portez sur votre carrière ? C'est quand même assez exceptionnel. Ouais, bonne question. Non, je suis fier de ce que j'ai fait. Il y a quelques moments de ma carrière que je regrette un petit peu. J'aurais certainement dû faire autrement, mais voilà, je,
au final, je suis content de ce que j'ai fait. Et puis voilà, j'espère que ça va continuer ainsi et que je vais encore que j'ai encore de belles années devant moi. Vous avez déclaré que les Jeux Olympiques étaient un objectif de carrière pour vous. Ce serait quoi? Ce serait une consécration? Ouais, c'est sûr que ça serait une consécration. Et puis je pense que c'est le rêve de tout sportif. Les JO, c'est vraiment une compétition à part, en tout cas de ce qu'on nous dit, que ça soit dans n'importe quel sport. Si t'as fait les JO, t'es tout de suite dans une certaine catégorie. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'il me manque, c'est ce qui manque à tous les joueurs de l'équipe de France. Et on a vraiment à cœur d'aller décrocher notre qualification pour pouvoir y participer. Quand on est capitaine du groupe France, j'imagine que c'est une responsabilité, d'autant plus qu'il faut fédérer un groupe pour pouvoir se qualifier pour un tel événement. Ouais, c'est sûr que c'est pas évident, il y a pas mal de choses à gérer, faut savoir les gérer, et voilà, il y a des moments plus compliqués que d'autres, et là on l'a vu au dernier mondial où malheureusement on est descendu, c'était vraiment une période très très compliquée de ma carrière, voire de ma vie, et puis voilà, maintenant on est reparti sur de bons rails, et j'espère qu'ensemble on va pouvoir aller chercher cette qualif qui manque tant au hockey français. À 35 ans, est-ce que vous pensez à l'après? Vous ne les faites pas hein, sur la glace, mais ouais, est-ce que vous y pensez déjà? Oui, je commence à y penser. C'est sûr que je suis plus près de la fin que du début, donc voilà, c'est dans un coin de ma tête. Maintenant, comme j'ai dit, il me reste encore quelques belles années sur la glace, enfin j'espère, et ici à Grenoble. Et puis voilà, je vais tout donner comme d'habitude et en espérant remporter de nouveaux titres. On vous le souhaite, Damien, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci, c'est gentil, merci. Cette saison, j'ai eu la chance de passer le cap des 800 matchs officiels avec Grenoble. C'est une fierté, c'est une chance, je réalise pas trop quoi, que 800 matchs, ça commence à faire quand même. J'espère que ça va continuer encore et j'ai beaucoup de chance d'être toujours dans le même club et qu'on me fasse encore confiance. Quand je suis arrivé dans l'équipe première, j'avais 17 ans et il était déjà là depuis un bon moment. Et voilà, on s'est pas quitté, j'ai fait toute ma carrière avec lui en tout cas. Franchement, ce que je retiendrai, c'est les victoires. C'est vraiment des souvenirs qui restent gravés. Et on joue, on fait un sport collectif pour ces moments de partage, ces émotions-là. Et c'est quelque chose d'indescriptible. Donc vraiment, je me souviendrai de tous ces trophées partagés avec les coéquipiers. Là, Chris ? Sauf peut-être 6 mois sur 19 ans. Ouais, c'est le côté maniaque et superstitieux, je pense. Avec le même numéro, du coup ? Ouais, même numéro. C'est l'année de naissance de mon grand frère. C'est sûr que mon frère, ça a été mon inspiration, bien évidemment. Il avait 11 ans et demi de plus, c'était le modèle. J'ai suivi très naturellement ses pas, donc je me suis retrouvé à faire du hockey sur glace et avec le recul, je suis bien content d'avoir pris cette décision. Il est très fier. Quand les joueurs y arrivent dans le vestiaire, que ce soit les joueurs d'extérieur, que ce soit les jeunes, mais il y a cette présence-là, on sent des fois dans les matchs quand ça va le moins bien, quand ils parlent et quand ils parlent du club. Mais parce qu'il est fier de porter ce maillot depuis si longtemps. Puis ça fait réagir les joueurs, puis il apporte beaucoup côté là. Le poste de défenseur, pour moi, il est nouveau, entre guillemets, puisque j'étais attaquant toute ma carrière et ça fait maintenant, j'ai plus le compte exact, mais je dirais 3-4 saisons que je suis passé défenseur. On voulait essayer comme joueur en défense. On a beaucoup aimé son style de jeu. C'est un gars qui est très calme avec les palais. Il fait beaucoup de bonnes décisions, puis très intelligent. Puis depuis là, il joue en défense. Sur le côté défensif, je vais avoir des lacunes qui sont dues au fait que je n'ai pas pu travailler ce poste toute ma carrière. Mais je vais jouer sur d'autres qualités qui sont le fait que j'ai joué attaquant. Donc je peux encore une fois anticiper et savoir où vont être placés les attaquants pour des meilleures relances. La passe derrière lui, oh, c'est bien fait.
derrière lui avec Tartari, le lancer, le palais qui traîne et l'ouverture du score. Premier but dans cette rencontre. Il est pour les Brûleurs de Loup, l'équipe à domicile qui mène donc 1-0. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, de vision de jeu, qui a une intelligence sur la glace qui est très performante. Et puis c'est un joueur d'équipe. C'est pas pour rien qu'il a fait autant de matchs dans le même club, c'est qu'il apporte quelque chose sur la glace, mais aussi dans le vestiaire. Et c'est très important de jouer avec des personnes comme ça. Donc après la carrière de hockey, c'est quelque chose que j'ai déjà anticipé dans un sens, c'est que ça fait 4 ans maintenant avec Julien Bellac et Stéphane Gervais qui font partie de l'équipe. On a ouvert un centre de flottaison. Donc tout se passe dans des pièces individuelles, il y a un cocon avec 30 cm d'eau à l'intérieur à température corporelle, donc c'est relativement spacieux. Il y a une telle densité de sel dedans qui fait qu'on est en flottaison, on est en apesanteur. On flotte naturellement sans effort. Et de venir ici, c'est un bon moyen de se couper pendant une heure de toutes ces stimulations. Et c'est très bénéfique pour le corps et l'esprit. Pour avoir échangé avec beaucoup d'anciens avec qui j'ai joué, qui ne sont plus joueurs actuellement, qui sont dans le monde du travail, il y a toujours, même si on a l'impression d'avoir accompli tout ce qu'on avait à accomplir, qu'on a bien profité, il y a toujours un petit deuil et il est difficile à vivre ce changement de vie. Donc voilà, les conseils qu'on m'a donnés, c'est de profiter un maximum, de jouer le plus possible tant que le corps le permet et que bien sûr le club dans lequel on joue nous fait confiance. Cet environnement a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ici, j'ai appris l'humilité. C'est quelque chose que j'ai envie de transmettre à mes filles. Quand j'ai rencontré la MGEN pour la première fois, je me suis demandé comment un sportif allait promouvoir une mutuelle santé en conservant ses valeurs. Je me demande simplement d'être l'homme que je suis à travers cette simplicité, cette authenticité, cette ouverture au monde.
De retour à la patinoire de Pôle Sud pour le grand classique du hockey français, les Brûleurs de Loup face aux Dragons de Rouen. C'est la fin du premier tiers-temps, début du deuxième dans quelques instants. Et pour le moment, un but partout entre ces deux formations. Pour l'instant, c'est l'indiscipline qui paye, Pierre. Oui, non, la discipline qui paye. L'indiscipline ne paye pas puisque effectivement, il y a eu deux buts marqués en supériorité numérique. Et donc, voilà, c'est vrai que Grenoble a eu une opportunité de plus hein, parce que le premier power play de Rouen il a duré un dixième de seconde. Donc, en fait, là, on revoit les opportunités. C'était, je pense, Aliardi qui avait fait sa première tentative. Là, la super passe de Deschamps pour Bedin. Bedin échoue sur Aurac. Ah, c'était vraiment bien vu. Et je pense que là, le super shoot, là, c'était sur le 4 contre 3, bien bloqué par Pintarić. Allez, Hardy. Et derrière, le rebond qui est saisi par Anthony Guttig. Oui, tout à fait, effectivement. Le palais qui arrive dans les jambes des deux joueurs. Et Guttig, un petit contrôle. La glissée derrière Aurac, 1-0. Et là, c'était... Fleury qui avait essayé de se glisser le palais là entre ses jambes, qui n'a pas pu le reprendre derrière. C'était super bien joué. Allez, Aliardi qui s'avance, qui va chercher nettoyer la lucarne droite de Pintarić. Un partout. Et derrière, oui, le lancer vraiment en pleine lucarne hein, de Alex Aliardi. Et l'intensité. Un match vraiment plaisant, oui, voilà, avec de l'intensité, avec des charges, des opportunités aussi, comme cette opportunité en infériorité numérique. Qui récupère le palais, une petite feinte. Dans le gant de Horak. Ça y est, les deux formations sont de retour. On va pouvoir y aller dans quelques secondes pour ce deuxième tiers-temps sur Sport en France entre les Brûleurs de Loup de Grenoble et les Dragons de Rouen. C'est le dernier match de la saison. Et il reste 40 minutes à jouer au minimum pour ces deux équipes. Et on n'a pas changé de trio, hein, de part et d'autre. Ce sont les mêmes qui vont reprendre pour le début du deuxième tiers. Joris Bedin, Deschamps, Jacob Lagacé, avec Chakiashvili, Cantagallo en défense. Et de l'autre côté, Yann Sauvé, Roy, Legault et Fleury. Tandis que Trey arrive tranquillement mais sûrement pour compléter ce 5 des Brûleurs de Loup. Joris Bedin à côté de Sacha Trey. Il y a une petite différence de gabarit, mais Joris Bedin ne s'en laisse pas compter. Joueur très teigneux, très actif. Jacob Lagacé qui remporte ce premier engagement du deuxième tiers-temps de cette rencontre entre les Brûleurs de Loup et les Dragons de Rouen. Un partout pour l'instant entre ces deux formations, tout reste à faire. Deschamps qui sort ce palais du coin, la passe derrière de Deschamps avec Lagacé. Chakiashvili qui retrouve Lagacé qui est pris par Fleury. Attention, il résiste à la charge. Lagacé, la passe pour Joris Bedin. C'est finalement récupéré. C'est le rush par Roy de Grenoble. 3 contre 2. Roy, la passe pour Fleury. Trop et derrière. Et on part dans l'autre sens. Ça va aller à gauche là-bas. Oh, attention. Il est tout seul. Le tir de Deschamps. Deuxième fois qu'il shoot à côté, Deschamps. Ouais. Après, on l'avait oublié, mais il s'était retrouvé tout seul tout à l'heure en break. Il avait aussi shooté à côté. Il a du mal à régler la mire. Oui. Nicolas Deschamps, meilleur scoreur pour le moment de Ligue Magnus. Roy, il a 2 points d'avance sur Damien Fleury et sur Anthony Guttig. Attention à ce rebond, oh, qui aurait pu être redirigé dans les buts de Mathias Pintarić. C'est passé au-dessus. Trotteur, la passe sur le côté avec Roland Zwiniers. 14 buts cette saison pour Roland Zwiniers, l'ancien des Scorpions de Mulhouse. Trotteur face à Hardy avec Cam Barker. Et le tir qui est redirigé. Allez, Hardy, auteur du but égalisateur en supériorité numérique avec Hardy. Ouais, qui résiste, Hardy, le palais qui traîne devant les buts de Mathias Pintarić qui peut mettre son gant d'attrape sur le palais. Et engagement en zone offensive à venir pour les Brûleurs de Loup. Ouais, il s'était retrouvé en bonne position, Champagne. Il n'a pas pu reprendre ce palais alors qu'on fait le tour de la cage de Pintarić pour Champagne qui chute une première fois, une deuxième fois. Coudry face
à Caron pour cet engagement en zone offensive qui, pour l'instant, est entre les jambes de l'arbitre. Le tir de Coudry, dévié, qui passe à côté. Il va se battre pour conserver la possession du palais. Attention avec ce lancer qui est bien capté là par Mattia Pintarić. Ça a manqué de trafic devant les buts du gardien des Dragons. Oui, un bon lancer de Chalet, mais il n'y avait absolument personne devant la cage qui a permis à Pintarić de attraper le palais directement, tranquillement. Jeune défenseur hein, de 19 ans, Nikita Chalet. Et d'origine biélorusse. Qui a obtenu la nationalité française il y a peu, mais qui a été formé en France. Munoz. Crinon. Ça a été bloqué justement par Chalet. Avec Food. Ouais, Nessa hein, qui cherche Lamperrier. Il y a un coup à jouer pour les Dragons avec ce lancer. C'était un petit shoot masqué là. Oui. Dans le mouvement. Grosse opportunité pour Loïc Lamperrier. Oh, il est nouveau là. Bon, attention avec cette opportunité. Oh, c'est passé juste à côté des buts. C'était super bien vu là. De Lucas Orac. La part de Munoz. Oh, ouais, quelle opportunité pour Loïc Lamperrier. Joueur formé à Rouen. Il a passé quelques années à Briançon, à Reims. La plupart de sa carrière à Rouen. Pour Loïc Lamperrier, attention, on se dégage du côté des brûleurs de l'eau. Personne pour venir récupérer ce palais. Pas de dégagement refusé. Tomasino. Ouais, la passe derrière lui. Attention, c'est bien anticipé. Le lancer et c'est un arrêt pour Mattia Pintarić. Ouais, c'est Timothée Quatron là qui a lancé. Ouais, Quatron aussi un joueur du centre de formation qui avait intercepté ce palais. Il s'est présenté tout seul sur le côté. Pas loin d'inscrire son tout premier point. Ouais. Celui-là en Ligue Magnus. Zéro point en 10 matchs de carrière pour le jeune joueur de 19 ans. Engagement en zone offensive pour les brûleurs de loup. Attention avec ce temps lancé de Yann Sauvé. Énormément de trafic devant Mattia Pintarić et les brûleurs de loup qui prennent les devants pour la première fois de cette rencontre. Oui, sur ce shoot de la pointe là. Je ne sais pas si le palais a été dévié. Sur l'engagement. Pas certain, mais... On va chercher Sauvé le shoot. J'ai l'impression je pense qu'il y a vraiment du trafic. Là, on va être vraiment dans l'axe. On va avoir la vue de Pintarić. Effectivement, le palais. Oui. Pas un mouvement. Et le palais qui allait se loger à mi-hauteur, à droite. 2-1 pour Grenoble. Et c'est la première fois que les hommes de Edo Terglav prennent les devants dans cette rencontre, dans ce choc entre Grenoble et Rouen. Attention, c'est pas terminé, ça leur donne peut-être des ailes avec ce lancer de Roy qui passe au-dessus. Yann Sauvé, buteur il y a quelques instants, qui reste présent sur la glace avec Joris Bedin, Fleury, Trey avec Cam Barker. Attention, il est pris de vitesse là par Legault. Barker qui va de sa charge Lagacé. Il y a l'opportunité, non, ouais, ça va être hors jeu. Il a manqué sa passe là, Jacob Lagacé. Attention, ça peut aller vite, vite de l'autre côté. Roy qui préfère temporiser, repasser derrière à Sauvé qui reste présent sur la glace. La longue passe pour aller Hardy. Énorme coup à jouer pour les Grenoblois. Oui, mais il y a interception du juge de ligne. Il y avait un 3 contre 1 là, qui se dessinait. Ouais, le juge de ligne malencontreusement a intercepté le palais. Ça fait partie du jeu. Floud, le tir lointain, là aussi du trafic devant les buts de Lucas Orac, mais il parvient à faire l'arrêt, le portier des brûleurs de loup de Grenoble. Ouais, le danger vient de la bleue là depuis quelques instants, de part et d'autre. Oui, on commence à, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, maintenant, on arrive à trouver des positions prioritaires devant la cage pour gêner le gardien. On l'a vu sur le but de Sauvé, et là encore, on l'a vu, il y avait vraiment du monde. Contrairement à cette action. Exactement, il n'y avait absolument personne. Arrêt tranquille pour Lucas Orac sur ce lancer de Marc Floud. Première saison en France pour le Canadien expérimenté de 36 ans, Floud, auteur de 3 buts, 9 mentions d'assistance cette saison. Attention avec ce lancer de Aller Hardy qui est arrêté par Mattia Pintarić. La charge sur le côté, sur Joël Champagne de Floud. Attention, il y a Aller Hardy qui n'a absolument pas vu Floud. Il a pris un sacré coup, il rentre directement sur le banc. Attention de l'autre côté, Vigneurs qui rentre en zone offensive mais il a été stoppé. Crinon qui ne parvient pas à dégager son camp.
la sortie de Mattia Pintarić avec Crinon. Ouais, sur le côté, Nazem Kudri qui a failli intercepter. Oui, c'est un le palais, il n'avait pas du tout vu, et Kudri aurait pu se retrouver tout seul avec le palais une cage vide, puisque Pintarić était derrière la cage. Ouais, Del Kudri qui avait vraiment bien anticipé, là, bien lu le jeu. Il n'a pas réussi à récupérer, être en possession du palais. Le joueur né à Annecy qui reste sur la glace. Engagement face à Anthony Guttig et engagement récupéré par les Grenoblois. Favre. Ah, c'est bien fait de la part de Floud. Beylak. Palais qui met en fond de territoire. Floud dans le coin. Il a l'aide de Anthony Guttig, préfère dégager son camp à la louche. Et les Grenoblois qui ont un peu le contrôle du jeu là depuis quelques minutes. Depuis le 2-1. Favre qui tente de passer et finalement c'est Lamperrier qui parvient à dégager son camp. Ono, attention à ce gros pressing là mis par les Rouennais avec Vincent Neza qui prend sa charge sur le côté. Charge de Beylak. Et Palais qui est récupéré par les Grenoblois avec Munoz, incursion en zone offensive et finalement le hors-jeu qui est signalé. Oui, il a hésité le juge de ligne, mais je pense qu'il y avait hors-jeu. Un peu plus de 5 minutes de jouer dans ce deuxième tiers-temps entre les Brûleurs de Loups de Grenoble et les Dragons de Rouen pour le dernier choc de la saison diffusé sur les antennes de sport en France. Pour l'instant, un choc qui tient toutes ses promesses. Quant à Gallo, avec Tomasino, la longue passe qui est interceptée par Der. Aurac aille sur le côté avec Quant à Gallo. Le tir est dans les patins de Koivisto. Attention, ça peut aller vite de l'autre côté. Avec Der, les deux Der, le tir, le rebond qui est saisi par Aurélien et sur la passe de son frère Flavien. Flavien qui avait shooté dans le slot et a récupéré le palais sur son revers. Attention, il est reparti, oui, Aurélien Der. Il va se procurer une nouvelle opportunité cette fois-ci. Oh, il tente de la feinte, il a tenté de déshabiller Enzo Cantagallo qui a tenu bon. Joliment intercepté du patin. Chakiashvili qui temporise. On a envie de construire, de s'organiser, d'avoir la possession du palais du côté des Dragons de Rouen. Ça n'a pas forcément été le cas depuis le début du deuxième tiers. Oui, ils ont un peu de mal à contrôler le palais. C'est pour ça que Chakiashvili a temporisé. L'agacé, ouais, la passe sur le côté. Et quel bon placement de la part des Grenoblois qui gênent vraiment bien cette construction. Comme vous l'avez dit, Chakiashvili, la passe sur le côté. Ouais, il manque son... On tire là-dessus Nicolas Deschamps. Trey. Ouais, de l'autre côté, il cherche Roy. C'est finalement intercepté par Nicolas Deschamps. Roy, Deschamps. Oh, le tir sur réception. Ouh, c'était Joris Bedin qui a profité de ce service de Nicolas Deschamps. Et le tir sur réception est puissant, mais bien arrêté par Lucas Laura qui lui aussi est bien dans son match. Oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'opportunité pour Rouen. Et là, elle était vraiment bienvenue. Avec un shoot dans le slot, bien capté encore une fois par Roy qui fait un match exemplaire. Hein. Lors du match précédent entre ces deux formations, les Dragons de Rouen s'étaient imposés sur le score de 4 buts à 3 à Lille-Lacroix. Un match extrêmement serré. On se dirige vers le même genre de rencontre. Un petit but d'écart entre les Brûleurs de Loups et les Dragons. Engagement en zone offensive pour l'équipe qui est menée. 2 buts à 1. Guttig. Unique buteur de cette rencontre pour les Dragons qui remporte cet engagement. Ça a été dégagé. Et engagement refusé, oui. Nouvel engagement en zone offensive pour les Dragons de Rouen. Anthony Guttig face à Champagne. On prend les mêmes et on recommence. Cette fois-ci, il est remporté par les Dragons avec Guttig. Ouais, la bonne passe de Guttig pour Brock Trotter qui charge de l'autre côté. Cam Parker, le tir puissant, légèrement dévié par la crosse de Kierney. Ce palais qui vient quitter l'aire de jeu. Les Rouennais qui ont repris un peu le contrôle parce qu'ils ont eu des minutes difficiles là après le but de Grenoble. Pour l'instant, ça ne paye pas, mais en tout cas. Floud, ouais, le tir lointain
avec Crinon, le premier sur ce palais, le palais qui reste dans l'air de jeu. Roland Vigneurs passe à la main, oui, signalé effectivement Pierre. Ouh, attention, ça commence à chauffer. Le match qui monte d'un cran au niveau intensité, Kierney avec Pierre Crinon. Oh, attention, ça se cherche entre les deux joueurs, oui, ça vient se chauffer un petit peu, on met les mains au visage. Vraiment pour venir embêter l'adversaire. On sait que le match peut se jouer sur les supériorités numériques. On essaie de faire sortir l'adversaire de ses gonds. Joël Champagne en discussion avec Pierre Crinon. Ah, les deux qui continuent d'échanger, le capitaine des Brûleurs de Loup avec l'international français Pierre Crinon. 25 ans. Oui. On va voir, là, il y aura une suite à cet épisode, je pense. Ouais, on va voir ce qui va se passer pour la suite. En tout cas, on se doutait qu'il allait avoir de l'intensité dans cette rencontre, même si les deux équipes ne peuvent pas bouger au classement. Deux équipes qui montrent de l'agressivité et de l'envie dans cette rencontre diffusée sur Sport en France entre les Dragons et les Brûleurs de Loup. Attention avec ce lancer lointain qui est arrêté par Lucas Aurac. Ce tir de la Bleue signé Florian Chakiashvili. Oui, un tir soudain, il y avait du monde devant la cage. Aurac vraiment qui fait un bon match, qui donne aucun rebond et donc qui sécurise totalement tous les shoots. En tout cas, beaucoup plus d'arrêt de jeu dans le deuxième tiers-temps que dans le premier. Attention avec Carraron qui est passé. Une grosse bataille, ça va être une pénalité contre Grenoble. Alors que. Avec Carraron, oui, le bras de l'arbitre. Est sorti, on joue à 6. Oh, c'était Chakiashvili, une fois de plus très agressif. Et des mots qui sont échangés cette fois-ci entre Chakiashvili et Ono. Et donc, avantage numérique pour les Dragons de Rouen. Oui, l'opportunité. Attention, attention. Pour l'instant, l'indiscipline qui se paie cher. Cette fois-ci, c'est Nicolas Deschamps là, qui vient échanger avec Trey. On sent que ces deux formations ne s'aiment pas beaucoup. L'intensité qui monte d'un cran. Et donc, opportunité pour les Dragons de Rouen de revenir au tableau d'affichage. Deschamps, on tente de s'installer du côté des Dragons. C'est récupéré par les Brûleurs de Loup avec le geste de Sauvé. Deuxième buteur de cette rencontre pour les Brûleurs de Loup. La charge de Trey qui parvient à dégager son camp. Et attention, on met de la vitesse. En l'occurrence, Fleury là en désavantage numérique. Fleury qui récupère ce palais. Mais c'est bien défendu de la part de Chakiashvili. Mais attention à cette passe. Oui, dans l'axe, effectivement. On a failli marquer un but en désavantage numérique là. Et oui, on a essayé de relancer dans l'axe et c'est vrai que Dair a récupéré ce palais, a cherché Fleury. Fleury qui a essayé de le dévier, là, une petite pichenette. Il aurait peut-être pu le contrôler, essayer de faire autre chose, il était vraiment tout seul. Ah, il a cherché entre les jambes, ça allait un peu trop. Ah, il y avait un trou, hein. Ça s'est pas joué à grand chose. En tout cas, grosse erreur de la part de Grenoble. Là. Supériorité numérique qui va chercher l'axe. C'est bien fait de la part de Fleury qui a forcé le revirement. La marche, la passe sur le côté pour Trotter. On tente de s'installer du côté des Dragons avec ce palais qui est mis en fond de territoire. Roland Vigneurs, Guttig. On essaie de se défaire du pressing grenoblois. Ça y est, c'est fait. On peut s'installer et se mettre face au jeu. La marche avec Floud pour Trotter. On cherche un angle de tir. La passe dans les patins de la marche et c'est Sauvé qui parvient à dégager son camp. C'était 57 secondes encore à faire en avantage. La brique qui a été envoyée là sur la marche, le palais au niveau de la cheville. Trotter. Et la passe derrière avec la marche. 45 secondes encore à faire. En avantage numérique, la marche, la passe derrière lui pour Brock Trotter. Voilà, Roland Vigneurs s'organiser, voilà, c'est fait. Vigneurs, qui temporise la passe derrière pour Floud avec Trotter qui cherche une opportunité de tir, le lancer sur réception de Floud et encore un arrêt pour Lucas Sora qui, attention, au contre, on va jouer le coup du côté des Brûleurs de Loup de Grenoble avec Champagne qui temporise, il n'est pas attaqué. Champagne, la passe derrière. Oh, que c'est bien fait de la part de Champagne pour tuer les dernières secondes de cette pénalité. Et derrière, Sauvé qui vient mettre ce palais en fond de territoire. Vraiment une très bonne infériorité numérique là de la part de Grenoble qui se sont créés la plus grosse opportunité.
avec cette opportunité de Fleury avec un joueur de moins. Treille, la passe pour Damien Fleury. L'incursion en zone offensive. Oh, que c'est bien fait. La passe pour Treille. Oh, qui cherchait la lucarne. C'est un arrêt du bouclier signé Mattia Pintarić. Treille qui balance ses boulets de canon. Pour l'instant, il n'a pas trouvé la cible, mais. Ah, c'est au moins le troisième, oui. Depuis le début de la rencontre. Enfin, il a trouvé la cible, mais il y avait toujours Pintarić qui était là. Ah, il n'a pas réussi à le trouver le chemin défilé. Treille. Le bras de l'arbitre qui est levé. Oui, ça va être hors-jeu volontaire parce que le palais a été signalé par les arbitres et il a été intercepté en fait à la sortie du banc. Là, on a vu le boulet de Sacha Treille. Ouais, sur la bonne passe hein, de Fleury. On a passé la moitié de la rencontre. 2 buts à 1 pour les Brûleurs de Loup face aux Dragons de Rouen. En tout cas, n'hésitez pas à interagir sur cette rencontre diffusée sur Sport en France via le hashtag SEF Hockey. Nous lisons tout avec Pierre Pousse. Champagne face à Koivisto et cet engagement qui est remporté par le Rouennais Roy qui vient bloquer ce palais à la bleue. Le tir bien arrêté par Pintarić là sur ce lancer à la bleue. Arrêt tranquille du gant d'attrape. Pour l'instant, un match fabuleux hein, de gardiens entre Mattia Pintarić et Lucas Orac. Deux gardiens qui font le travail. Champagne face à Koivisto. Roy qui résiste à Tomasino. Attention, oh, Roy qui a passé tout le monde. Le bras de l'arbitre qui reste à terre. Oui, quelle opportunité. Roy avait fait la différence et c'était Kierney qui s'était retrouvé tout seul sur la droite avec le palais. Je ne sais pas s'il a trouvé Pintarić ou s'il a raté la cible. En tout cas, c'était une grosse opportunité là, créée par Sébastien Roy. La marche, ouais, l'accélération de la marche qui met ce palais en fond de territoire. Ça a été bloqué par Orac qui cherche et trouve Kierney sur le côté. L'énorme charge de Tomasino sur le côté. Différence de gabarit entre ces deux joueurs. Et pourtant, il n'a pas peur d'y aller. Tomasino, la passe de Lagacé pour Nicolas Deschamps avec le lancer de Joris Bedin qui passe juste à côté des buts de Lucas Orac. Encore un lancer lointain de Floud. Ouh, attention, il y avait Sauvé qui était placé juste devant oui, Lucas Orac. Il aurait vraiment pu gêner son gardien de but. Et arrêt finalement tranquille pour le gardien des Brûleurs de Loup de Grenoble. Deschamps, la passe derrière pour Crinon. Le tir de Crinon. Oh, c'est un arrêt. Pour une fois qu'il y avait un rebond, là, il n'y avait aucun Rouennais pour le reprendre. Jacob Lagacé. Ouais, il parvient à dégager son camp. Avec le chalet. Ouais, bonne relance là pour Munoz qui cherche Favre. Pas de dégagement refusé ici. Ouais, l'arbitre qui avait annoncé pas de dégagement refusé, il vient s'excuser auprès des Grenoblois. Donc, oui, on a finalement refusé ce dégagement. Oui. Et donc, engagement en zone offensive pour les Dragons de Rouen, Anthony Guttig face à Adel Koudry. Chakashvili à la bleue avec Enzo Cantacalo. Oh, la déviation qui passe juste au-dessus des buts de Lucas Orac. C'est pas terminé. Anthony Guttig sur réception. Ça a été dévié. Chalet de l'autre côté. Ouais, c'est récupéré par Chakashvili avec Enzo Cantacalo. La passe pour Brandt Trotter. Pour Roland Vigneur. Là non plus, c'était pas un cadeau cette passe. Hors jeu, oui. Oui, hors jeu. Il y avait Anthony Guttig qui était parti. Entre temps, quelques petites erreurs techniques là. Et les Rouennais sont beaucoup mieux dans cette deuxième partie de tiers. Ils n'arrivent pas à trouver la cible, en tout cas, ou toujours contrée, ou pas cadrée. Ouais, ils temporisent, ils calment le jeu. Joël Caron face à Damien Fleury, et c'est le capitaine de l'équipe de France, Fleury, qui remporte cet engagement. Treille, la passe sur le côté, la marche, l'accélération de Fleury avec Legault. Écoute sifflet de l'arbitre.
hors-jeu signalé à l'encontre des brûleurs de loups de Grenoble. Beaucoup de coupures depuis quelques instants. Un faux rythme qui s'installe pour ce choc entre les dragons et les brûleurs de loups. La marche. Allez, Maxime, la marche. La passe sur le côté pour Cam Barker. Fallait qu'il mis en fond de territoire. Bellac. Sur le côté avec la marche. C'est récupéré par Trey. L'accélération de Trey. La passe sur le côté. Avec Logo qui cherche Trey. C'est finalement intercepté par le capitaine des Dragons. Et Aura qui sort. Dégagé, oui. Contré. Avec il est bien seul à Lamperrier. Il y avait deux ou trois Grenoblois qui arrivent à s'en sortir facilement. Bellac, ouais, la passe pour Alliardi. L'accélération, il est passé. Il y a du monde au deuxième poteau. Oh, le tir qui passe à côté. Quelle opportunité pour les brûleurs de loups. Il avait fait la différence. Ouais, l'américain Alliardi là-dessus. Et attention, Guérif de l'autre côté qui lance du revers. Ça a été bloqué par Champagne. Oui, il avait retrouvé Sacha Trey au deuxième poteau. Et Sacha Trey n'a pas cadré. Il aurait peut-être pu contrôler. C'est facile à dire après, mais en tout cas, c'était une super accélération d'Alliardi. Flood, la passe pour Covisto avec Tomasino qui tente de passer face à Julien Bellac. Ou Pierre Crinon qui est arrivé pleine vitesse. Il est remonté comme une pendule, hein, le défenseur des Dragons. Il a tenté de mettre une grosse charge là en zone neutre. Là, on voit Alliardi qui fait la différence. Il lève la tête. Sacha Trey qui avait senti le coup, qui était au deuxième poteau. Qui n'arrive pas à cadrer ce shoot, hein, parce qu'il y avait vraiment la place. Le renversement de jeu était total. Engagement en zone offensive pour les brûleurs de loups. Un petit peu moins de 6 minutes encore à faire dans ce deuxième tiers-temps de ce choc entre ces deux formations. Pour l'instant, les brûleurs de loups qui mènent toujours sur le score de 2 buts à 1. Et grâce au défenseur Yann Sauvé, unique buteur de ce deuxième acte. Attention, l'opportunité. 3 contre 1. Oui, les frères d'air avec Aurélien, la passe derrière lui. Mauvais contre. Ouh, il cherchait Quatron. Il s'est pris à deux fois la d'air. Deschamps avec Lacassé, le tir qui est dévié. Attention, les dragons à l'attaque. Enzo Cantagallo qui laisse filer jusqu'à Chakiachvili. Le lancer qui est bloqué finalement. C'est pas terminé. Chakiachvili pour Lacassé. Enzo Cantagallo à la bleue. Le décalage pour Nicolas Deschamps. Ouais, on fait circuler la belle séquence proposée par les hommes de Fabrice Lhorry avec Chakiachvili, le tir. Oh, c'est Der qui vient bloquer ce lancer et derrière c'est dégagé. On avait besoin de souffler du côté des jeunes, des brûleurs de loups. Ça va être refusé. Se dégager pour vite changer. Oui, parce qu'effectivement ils avaient une super opportunité à 3 contre 1 les jeunes et puis après ils ont un peu souffert dans leur zone. Mais le superbe block shot de Aurélien Der a permis à ceux-ci de se dégager et de changer. Lacassé face à Adel Koudri en zone offensive pour les brûleurs de loups. Adel Koudri qui remporte cet engagement. Attention avec le tir lointain dévié. Ouais, au-dessus des buts de Mattia Pintarik. Munoz, la passe pour Fèvre. Ouais, contre la bande. Fabre avec Munoz. Munoz qui fait le tour de la cage. Ouais, l'arrêt de Mattia Pintarik. Fabre. Premier poteau. Avec Munoz face à Jacob Lacassé. Lacassé de l'autre côté. Ouais, Chakiachvili qui accélère sur le côté. Il y a Adel Koudri également. Chakiachvili. Avec Nicolas Deschamps. Ouais, attention à cette mauvaise passe. C'est intercepté par Max Legault. L'incursion en zone offensive du Québécois. Ouais, c'est bien défendu de la part de l'autre Québécois, Nicolas Deschamps. Bellac. Un passe de Bellac pour Legault. Attention, il y a un coup à jouer. Oh, le lancer qui vient tromper Mattia Pintarik. Et les brûleurs de loups qui font le break dans ce deuxième tiers-temps. 3 buts à 1 désormais. Oui, sur cette transition offensive, Legault a bondi sur la ligne bleue, a récupéré le palais entre les deux défenseurs. Un contrôle, un shoot, je pense qu'il est peut-être dévié au départ. Et Pintarik ne peut arrêter complètement ce palais qui lui a bondi sur le bras. Est-ce que Fleury vient prendre une mention d'assistance? Il était présent sur la glace. Je ne suis pas sûr qu'il ait touché le palais. Ouais, en fait, je me demande si le palais s'est pas un peu mis sur la tranche. En tout cas, la trajectoire était un peu bizarre.
Et Pintarić a vu le palais frapper sa poitrine ou son épaule. Et c'est 3-1, ils ont fait le break, les Grenoblois. C'est assez rare de voir Mattia Pintarić se faire passer de la sorte. Ouais, c'est Sacha Trey qui vient prendre la mention d'assistance. Pas de point sur ce but pour Damien Fleury. Ouais, en tout cas, une super passe hein, de Sacha Trey hein, qui, sur cette transition offensive, qui était un palier récupéré dans la zone neutre. Bleu à bleu, on a cherché tout de suite l'axe. Et c'est Logo qui sortait du banc, je pense, qui a récupéré ce palier. En tout cas, Il est en pleine forme, Max Logo. Il a marqué 2 buts dans le match précédent face à Anglet. Il en marque 1 ce soir, son 7e de la saison. Et Sacha Trey lui vient prendre sa 13e mention d'assistance de la saison. Sacha Trey en train de discuter avec Damien Fleury tandis que l'on voit le banc. On voit le banc des Dragons. Oh, et un joueur de Grenoble est chassé. Et donc avantage numérique pour les Dragons de Rouen qui ont l'opportunité de réduire l'écart en avantage numérique dans cette rencontre. Lors de la précédente supériorité numérique, on avait été très solide du côté des Brûleurs de Loup. Va-t-on réussir à trouver l'ouverture comme ça a été le cas lors du premier acte? Réponse dans quelques instants. Et ce palais qui est dégagé par Yann Sauvé qui décidément fait un gros match pour l'instant, le défenseur vétéran de 31 ans. Buteur ce soir, et très intéressant défensivement aussi. Trotteur, la passe derrière pour la marche. On est bien installé du côté des Dragons avec le tir de Floud. Le rebond qui est laissé par Lucas Aurac. Et derrière, oui, il est parvenu à bondir pour récupérer sur ce le palais. Rebond. Et donc, engagement en zone offensive à venir pour les Dragons de Rouen. Et qui sont pas vaincus à l'extérieur dans le temps réglementaire. Et pour le moment, ils sont dos au mur, menés 3 buts à 1 par les Brûleurs de Loup. Logo, ouais, avec Hardy qui tente de dégager son camp. C'est récupéré par Nicolas Deschamps. On tente de s'installer. Nicolas Deschamps avec Der, ouais, qui a tenté d'intercepter ce palais. Lampérier avec toujours Der qui tente d'intercepter les passes. Mais ça circule bien du côté des Dragons avec... Chakiashvili, ce lancer qui est bloqué par Der qui abat un travail assez monstrueux là en désavantage numérique. Chakiashvili, la passe pour Jacob Lagacé. Mal ajusté. Lagacé derrière, encore une passe mal ajustée. Ah, ça aurait été le cas quand même pas mal de fois dans ce deuxième acte pour les Dragons de Rouen. Chakiashvili avec Nicolas Deschamps. Encore une petite erreur technique là. Qui s'est un peu dribblé tout seul. Chakiashvili. 23 secondes encore à faire en avantage numérique. Et pour l'instant, on est solide une fois de plus avec un joueur de moins du côté des Brûleurs de Loup. Attention à ce bon décalage de Lagacé. Lampérier qui cherche Deschamps. Et finalement, ça a été intercepté par Yann Sauvé. C'était bien anticipé. Et retour à 5 contre 5, une fois de plus on a été solide du côté des Brûleurs de Loup, tandis qu'il reste 1:40 à faire avant la fin du deuxième acte. Un palais qui est dans le coin, attention avec Damien Fleury, l'accélération avec Roy qui cherche Fleury, et finalement ce palais qui est saisi par Mattia Pintarić. On sent beaucoup d'envie. Oh. C'est le numéro 10 des Brûleurs de Loup, en l'occurrence Damien Fleury. Roy qui se frite un peu là, avec pas vu quel joueur c'était de Rouen. C'était Barker. On va revoir cette opportunité, Roy. Ouais, il cherche et puis il est bien contré par Barker. Et après, Barker, les deux joueurs qui se... Il faut le bouger, Cam Barker. C'est pas le plus léger et ni le plus petit. Parce que Roy voulait aller chercher ce rebond et puis... Sauvé. Ouais, dans le coin, c'est récupéré par Floud. Il y a un coup à jouer pour les Dragons avec l'accélération de Brock Trotter pour Roland Zwinners qui se retourne. Brock Trotter... Oh. Ouais, Trotter, attention, c'est bien anticipé là. Oh, conserver le palais, Trotter. Floud.
avec Roland Zwiniers qui met en fond de territoire. Anthony Guttig qui vient travailler. Guttig, c'est récupéré par Yann Sauvé. Crinon. Crinon. Ouais, la longue passe qui est pour personne. Ah, ça a légèrement été touché par Joris Bedin. Pas de dégagement refusé. Sauvé qui cherche Trey avec Damien Fleury qui va être le premier sur ce palais face à son compère en équipe de France, Chakashvili. Elle est bonne, cette passe avec Hardy. Oh, la feinte et le tir enchaîné qui est bien arrêté par Mattia Pintarić. Et attention, de l'autre côté, Deschamps, encore une opportunité cette fois-ci. Il vient tirer sur Orac. Voilà, ça va d'un côté à l'autre. En tout cas, cette opportunité de Fleury qui avait parfaitement trouvé Hardy. Hardy n'a pas réussi à conclure et derrière Deschamps qui part échappé sur la gauche. Attention, il reste 6 secondes. Peut-être un dernier lancé pour les Dragons de Rouen avant la fin du deuxième tiers-temps. Allez, Hardy qui ne parvient pas à se dégager. Le tir de Crénon. Oh, le lancer enchaîné derrière au buzzer de Loïc Lamperrier. C'est finalement la fin de ce deuxième acte. Et les Brûleurs de Loups qui ont fait le boulot dans ce deuxième tiers-temps, Pierre. Oui, les Brûleurs de Loups qui ont réussi à faire le break. Alors effectivement, à partir du moment où ils ont marqué le 2-1, eh ben, alors qu'on voit l'occasion là, de rater. À partir du moment où ils ont marqué le deuxième but, eh ben, les Dragons ont eu de longs moments où ils n'arrivaient pas du tout à contrôler le jeu et Grenoble a failli enfoncer le clou. Puis ils sont revenus un peu dans ce match. Ils ont eu des opportunités, ils ont réussi à contrôler plus le jeu. Et c'est à ce moment-là que Grenoble a fait le break avec ce but marqué par Legault. Et c'est vrai qu'ils sont en bonne position, en bien meilleure position. Ils ont... On voit l'opportunité de Fleury qui avait trouvé Hardy de l'autre côté. C'était une belle assiste, mais Hardy n'a pas pu conclure. Ouais, il joue bien les Brûleurs de Loups dans cette rencontre et il mène sur le score de 2-3 buts à 1. Allez, c'est la pause. Restez avec nous pour l'entretien avec celui que l'on surnomme la légende, Marc-André Tinel, suivi eh bien, du geste parfait, le one-timer avec la chenille. Bonsoir Marc-André, quand vous avez rejoint Rouen il y a 15 ans, vous ne vous attendiez pas à rester aussi longtemps? Ah non, je venais pour une saison, voir un peu, reprendre goût un peu au hockey parce que je l'avais perdu un peu en ligne américaine. Et voilà, je me suis dit, on va voir ce que ça donne et 15, même voir que 16 ans plus tard, toujours là et franchement, je regrette rien. Vous avez refusé quand même une offre hein, du Canadien de Montréal pour venir jouer à Rouen à l'époque. C'était avant tout pour reprendre du plaisir. Exactement, c'est un truc que moi, pour moi le hockey c'était le plaisir à la base. Et je m'étais toujours dit quand j'aurais plus de plaisir, ben, je vais arrêter. Et là je l'avais plus, donc je me suis dit ben, faut essayer quelque chose de nouveau. Et voilà, j'avais à l'époque mon meilleur ami Carmalette qui était venu à Rouen et il m'avait dit bah viens, on va s'amuser et tout. Et j'avais dit ouais, pourquoi pas. Et ça s'est fait comme ça et très rapidement. Et comme je t'ai dit, j'ai rien regretté. Vous qui êtes resté longtemps en Ligue Magnus, parlez-nous de cette rivalité entre Rouen et Grenoble. Bah, c'est une grosse rivalité, c'est quelque chose qui, mes premières années, justement, que j'ai appris. Il y avait d'autres équipes comme Amiens avec Rouen qui avaient une belle rivalité, mais au fil des années, je crois que Grenoble, avec l'équipe qu'ils avaient, forcément, ça faisait des grands matchs. Et c'est des matchs que, peu importe l'enjeu, peu importe le moment de la saison, c'est des matchs qui sont super intéressants à jouer pour les joueurs. Et encore ce soir, même si voilà, la saison est terminée, on sait que c'est le dernier match, je pense que ça va quand même faire un bon match et c'est ça qui est intéressant. Vous êtes appelé la légende par les Rouennais, vous êtes troisième meilleur pointeur de l'histoire de la Ligue Magnus. Vous avez laissé votre empreinte, j'imagine que c'est une fierté. Oui, c'est une fierté. Franchement, c'était pas l'objectif, mais maintenant, faut pas non plus se le cacher, c'est que c'était mon rôle d'être offensif. Donc, je me dis que ça a été quelque chose que j'ai bien accompli. Ensuite, franchement, je suis plus fier de les coupes qu'on a gagnées quand j'étais là et tout le reste. Mais c'est quelque chose qui, ouais, voilà, c'est. Je pense que dans quelques années, on va pouvoir en parler et je vais quand même être fier avec les enfants d'en parler. Et c'est quelque chose qui me, oui, ça m'a fier. Et comme je dis, je pensais pas en arrivant ici que c'était pour faire ça. Et franchement, c'est quelque chose, c'est super bien. Et moi, franchement, je suis très fier. Votre carrière s'est arrêtée un petit peu plus tôt que prévu à cause de la Covid. Comment vous avez vécu ce moment ?
au début, sans trop le réaliser, je me disais, bon, ça va, c'est avec tout ce qui arrivait, tu dis, bon, nous, on est des simples joueurs de hockey, voilà, il y en a qui sont dans des pires situations que nous. Nous, on était quand même voilà, en santé à la maison et on se disait, bon, c'est comme ça. Après, après avoir réalisé, tu dis, ouais, c'est dommage, j'ai pas pu terminer. Et maintenant, tu vois, la saison qu'on a eue, ça a été tellement compliqué. Je me dis, ouais, c'était le bon moment pour arrêter. Mais c'est vrai que ça faisait 2 ou 3 ans que je commençais à parler de retraite. Et je m'étais dit, moi, je veux savoir quand je vais jouer mon dernier match. Et ben, au final, je ne l'ai pas su. Donc, c'est ce que je trouve dommage. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a la santé qui est plus importante que tous. Donc, j'ai appris à vivre avec. Et franchement, là, je suis encore dans l'équipe. Je suis avec les gars et il n'y a rien pour moi. Franchement, là, ça a continué. Je suis dans la même ambiance, même bureau et avec les gars, c'est cool. Et puis justement, l'histoire continue. Vous êtes entraîneur adjoint, général manager adjoint. Vous vous projetez finalement avec les Dragons de Rouen encore? Oui, bah, c'était un peu justement, c'est arrivé tellement rapidement la fin de saison que ensuite, bah, fallait me trouver un rôle et Thierry et Guy m'ont proposé de devenir assistant coach à Fabrice et d'aider Guy aussi avec que ce soit le recrutement avec Romain Farrugia et Fabrice qui gère ça un peu aussi. Il m'a proposé de monter dans le bateau avec eux puis de prendre un peu d'expérience, voir un peu ce qui me plaît et franchement j'ai accepté immédiatement. C'était quelque chose que je voulais faire, qui me semblait juste. Et juste le fait de rester dans la même organisation aussi, c'est comme je l'ai dit, ça me rend fier. Et 16 ans, c'est pas tout le monde qui peut dire que ça fait 16 ans qu'ils sont dans l'organisation. Et franchement, ça me fait plaisir de continuer l'aventure avec Rouen. Comptez rentrer au Québec dans un futur plutôt lointain du coup? Franchement, bon, à 14 ans, je t'aurais dit oui. Maintenant, je sais pas, on va voir comment. À court terme, non, c'est sûr, clairement, non, je vais rester là. Et on a la maison, les enfants sont nés ici. Mon boulot, j'adore mon boulot avec l'équipe, c'est quelque chose que j'apprécie à chaque matin. Et pour l'instant, je vois pas pourquoi je voudrais partir. Il y a toujours les vacances d'été qu'on peut retourner au Québec et c'est quelque chose qui... oui, Québec, c'est mon pays, j'adore Québec, mais il y a le boulot et il y a les enfants, la famille, je dois passer à plein de choses. Et pour le moment, à court terme, ouais, c'est ma vie est ici et franchement, avec plaisir, hein, je me plais et c'est très cool. Merci Marc-André d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite beaucoup de réussite professionnelle dans un futur proche du coup et peut-être lointain. Merci beaucoup. Merci Charles. La glace. Être efficace. Et faire trembler les filets. Tel est le rôle que doit avoir pour moi un joueur de hockey sur glace. Pour ça, il n'y a qu'un seul geste parfait. Le one-timer. Le one-timer, c'est un tir rapide. Ce geste, pour moi, ça représente beaucoup de choses. C'est un tir puissant, rapide, et c'est un geste qui sert beaucoup en match.
parce que le hockey va très vite, les déplacements des gardiens sont rapides. Donc si on shoot directement en recevant une passe, on a plus de chances de marquer. Comme ça, le gardien n'a pas besoin de... Il n'a pas le temps de se déplacer en fait. Ce qui est important pour le one timer, c'est taper la glace avant, avoir un bon transfert de poids, taper la glace avant, mettre la main au point de flexion et en fait finir le geste avec le poids, tout le poids sur la jambe avant. Sur les gestes, ok, c'est beaucoup de finesse et ce geste-là demande de la finesse, mais en même temps un peu de force, ce que j'aime bien. Je suis un peu, un peu bourrin, donc c'est à cause de ça un peu que j'aime ce geste, parce que ça demande quand même pas mal de force, le tir va vite et c'est ce que j'aime dans ce geste-là. C'est un geste qu'on apprend. Ça demande du temps, mais c'est simple, chaque fois d'entraînement, tu prends 5-6 palets et tu fais des passes tout doucement et tu apprends juste à faire le mouvement et c'est très rapide à apprendre quand même. C'est un shoot qui part plus fort que les autres parce qu'avec la vitesse en gros de la passe plus la flexion de la crosse, on peut dépasser les 150 km facilement. Je suis fier de marquer un but déjà de base, mais en one timer je suis doublement fier parce que c'est mon point fort. Donc le fait de marquer pour mon équipe avec mon point fort, ça me rend doublement fier. On m'a fait la même Attends, chose. Attends, c'est à nous. De retour à la patinoire de Pôle Sud à quelques minutes du début du troisième acte du choc entre les Brûleurs de Loup et les Dragons de Rouen. Il reste 2:35 avant le début de ce troisième tiers-temps et pour le moment 3-1 pour les Brûleurs de Loup qui ont fait le travail dans le deuxième tiers-temps. Oui, tout à fait, ils ont pris l'avantage et ont réussi à tenir Rouen a eu des moments forts et maintenant effectivement ils ont réussi à la fin de ce tiers de marquer ce troisième but qui leur donne une petite marge qui n'est pas énorme bien sûr, mais en tout cas ça leur permet de voir venir. Et en tout cas ce troisième tiers il va falloir que Rouen réagisse. C'est pas qu'ils ont pas eu d'occasion, mais ils ont souvent gâché les occasions, tiré à côté ou n'ont été moins efficaces en tout cas que les Grenoblois qui ont quand même bien capitalisé, notamment sur ce shoot de Sauvé. Alors que là, on va voir, c'était un shoot de Deschamps, encore à côté, de Bedin sur une passe de Deschamps. Et là, la passe plein axe pour Aurélien Déhard qui trouve Fleury. Fleury veut faire une petite pichenette. Pintaric sur ce coup-là a récupéré le palais. Un missile de Sacha Treille. Un de plus dans cadré. Cette rencontre. Exact. Non, si, je pense qu'il était cadré. Oui, cadré, arrêté par le bloqueur là, de Mathias Pintaric. L'infiltration de Roy qui donne pour... c'était qui était de l'autre côté? C'était Kierney à la cage
presque vide. Je n'ai pas vu s'il avait été contré. Il me semble quand même que Pintarik a fait l'arrêt. Alors que là, une autre opportunité d'aller Hardy. Qui déborde, qui trouve au deuxième poteau Sacha Trey. Sacha Trey ne cadre pas. En deuxième tiers-temps, globalement dominé par les brûleurs de loup. Hein. Même si, effectivement, au moment où Rouen revenait un peu, commençait à sortir la tête de l'eau, et ben, ce shoot de Lego qui échappe à Pintarik hein, sur ce coup-là. La trajectoire du palais un peu bizarre. Il me semble que le palais s'est mis sur la tranche au moment où il a repiqué vers le centre. Ce qui fait qu'il n'a pas réussi à capter ce palais. En tout cas, c'est 3-1 pour Grenoble. Grenoble qui veut gagner ce match, qui veut montrer qu'il valait mieux, les Grenoblois, il valait mieux que la saison qu'ils ont faite, qui, somme toute, n'a pas été très satisfaisante. Et en tout cas, ils sont en bonne posture dans cette rencontre, les hommes de Edo Terglav qui mènent 3-1 à quelques secondes du début du troisième tiers-temps face aux Dragons. Quels sont les ingrédients pour les Dragons pour revenir dans cette rencontre? Commencer fort le troisième tiers? Tout à fait, commencer fort, mais surtout être un peu plus présent devant la cage et cadrer les opportunités. Souvent, on a vu des opportunités qui n'ont pas été cadrées. Donc voilà, il suffit d'un but pour relancer la machine rouennaise. Mais en tout cas, Grenoble a les cartes en main pour contrer cette machine. Comme à chaque début de tiers-temps, Fleury avec Trey et Lego. Et de l'autre côté, Jacob Lagacé, Bedin et Nicolas Deschamps pour commencer cette rencontre du côté des attaquants. Bedin. Et tout de suite, on met la pression du côté des Dragons de Rouen. On a deux buts de retard à rattraper dans ce troisième tiers-temps. Ce qu'il a fait là. Ouais, c'est bien fait de la part de Lagacé. Le décalage pour Nicolas Deschamps. Le tir. Ouh, c'est légèrement dévié par le patin de Roy. Ah oui, Deschamps qui s'était décalé. Au dernier moment, Roy a mis son pied pour dévier ce palais. Et la passe, une nouvelle fois, défiée par Roy avec Lego. Ouais, de l'autre côté, ça a été touché par Damien Fleury. Et on peut s'organiser tranquillement en défense du côté des Dragons avec Cantagallo. La marche à qui remet sur Enzo Cantagallo. Roland Vigneurs. Oh, l'énorme charge sur le côté. Oh, que c'est bien fait de la part de Nikita Chalet sur Roland Vigneurs. Champagne avec Allé Hardy, buteur dans cette rencontre, qui se retourne, le tir. Et contre la bande, c'est récupéré par les Dragons. Roland Vigneurs et ses mains en or. La passe pour Anthony Gutig, premier buteur de ce match. Et depuis, eh bien, les Brûleurs de Loup ont marqué coup sur coup 3 buts. Allez, Hardy. Faire la première passe là, c'était la marche. Barker, et la passe de l'autre côté avec Trotter pour Lamperrier. Ouais, qui se retourne, Loïc Lamperrier, la passe du revers, le palais qui arrive jusqu'à Floud avec Fabre, Coudry, ah, l'accélération de Adel Coudry pour Munoz. Attention, Munoz qui lance, oh, c'est un arrêt pour Matija Pintarik. La voilà, la première opportunité de ce troisième tiers-temps et elle est à l'avantage des Brûleurs de Loup avec ce lancer bien arrêté par le gardien des Dragons. Oui, lancé de Munoz qui a sollicité... Pintarik qui a donné un rebond, mais du côté de la défense de Rouen, on a empêché l'accès à ce rebond. Quelques gestes forts. Et l'engagement remporté par Joël Caron et les Dragons à l'attaque avec la passe sur le côté pour Loïc Lamperrier face à Ono. Lamperrier, Beylak finalement le premier sur ce palais dans le coin. Caron. Ah, qui vient travailler dans le coin, attention, il y a une opportunité. Oh, le tir de Joël Caron qui passe juste à côté de la lucarne de Lucas Orac. Ah ouais, le tir était bien parti, il n'a pas fait de geste Orac. Heureusement pour Grenoble, pas cadré. Un dégagement refusé aux Dragons de Rouen qui se trouve mieux. Et bien dans ce début de troisième tiers-temps, on sent que c'est plus fluide, Pierre. Moins d'erreurs techniques. Oui, c'est clair. On s'approche plus, mais on n'arrive toujours pas à cadrer les shoots. Et en tout cas, ça c'est problématique. Voilà. On doit en marquer au moins deux pour revenir. Commençons par un. Trinon. Donc ça va être refusé.
Ah, c'est ça l'objectif pour les Dragons de Rouen dans ce troisième tiers-temps, lancer à la cage le plus de fois possible. Oui, amener du danger, mettre du monde devant la cage. Et puis quand on a les opportunités, il faut les cadrer, les shoots, parce que le shoot, on le cadre bien sûr pour marquer, mais on le cadre pour avoir un rebond. Quand on a mis du monde dans la cage, quand on a mis effectivement quelqu'un qui vient pour ce rebond, si le tir n'est pas cadré, l'opportunité s'envole immédiatement. Et comme ça avait été le cas sur le but de Guitig. Hein. Tout à fait, exactement. En début de rencontre. Neza pour Crinon qui met ce palais en fond de territoire pour les Dragons. Crinon face à Sauvé, de gros gabarits face à face. C'est bien fait de la part de Crinon. Un petit peu esselé et finalement c'est récupéré par les Brûleurs de Loup avec Der. Ouais, Der, la passe et finalement quel sacrifice de Enzo Cantagallo qui vient bloquer cette passe. Crinon derrière les buts de Mattia Pintaric, Tomasino contre la bande. Ouais, c'est bloqué finalement par Timothée Quatron. Crinon. On change de ligne du côté des Brûleurs de Loup. Quant à Gallo, ouais, la passe sur le côté avec Tomasino, ouais, qui manque son geste. Il voulait mettre en fond de territoire. Quant à Gallo, la passe pour Chakashvili. Guérif qui est trouvé. On est agressif en zone neutre du côté de Nikita Chalet. Et on met ce palais en fond de territoire pour empêcher les Dragons de s'organiser. On fait le dos rond du côté des Brûleurs de Loup. Et on essaye de rentrer avec le contrôle du côté de Rouen, on n'y arrive pas. Trey, ouais, la passe derrière, elle est bonne avec Nikita Chalet, le tir sur réception qui est manqué. Maxime Lamarche, la passe pour Joris Bedin, l'incursion en zone offensive. Bedin face à Damien Fleury, ce palais qui est mis en fond de territoire. Nikita Chalet, la charge de Jacob Lagacé, le palais qui est récupéré par les Dragons. Le lancer de Cam Barker, on cherchait la déviation de Joris Bedin. Et finalement, ce palais qui termine sa course au fond du gant d'attrape de Lucas Aurac. Bedin qui était pas loin de dévier le palais juste avant que celui-ci arrive dans le gant de Aurac. Là, on voit la crosse qui passe justement. Juste en dessous. La difficulté du gardien de but, hein. À tout moment le palais peut être dévié. Cam Barker une nouvelle fois avec la possession du palais, il y a du trafic devant les buts de Aurac, ouais, notamment Anthony Guttig qui était là au rebond. Ah, décidément dans tous les bons coups des Dragons, Anthony Guttig, buteur ce soir, extrêmement bien placé sur cette situation. Beylak, la passe sur le côté, ouais, c'est bien fait avec Champagne face à Brock Trotter, le grand gabarit. Joël Champagne qui résiste à la charge, la passe sur le côté pour Alerdi. Finalement ce palais qui arrive jusqu'à Bellac qui va récupérer ce palais après le rebond. Ouh, et le lancer directement dans le gant d'attrape de Mattia Pintaric. Bellac qui avait fait une première tentative contrée à récupérer le palais et là a trouvé au premier poteau le gardien du Troisnet. Évidemment, le prochain but de cette rencontre sera extrêmement important. 4-1 ou 3-2, ce n'est absolument pas le même match. Neza. Oui, puis le temps joue pour Grenoble. Crinon, oui, contre l'arrondi. Cherche Lamperrier. Finalement, c'est récupéré par Roa Floud, qui a bien anticipé la passe sur le côté pour Loïc Lamperrier. Lamperrier. Ouais, qui met en fond de territoire Roa contre la bande. Palais qui arrive jusqu'à Crinon. Attention, opportunité pour les Dragons. Pierre Crinon, ouais, bien gêné là sur le côté par Adel Coudry. Lamperrier, l'incursion en zone offensive de Loïc Lamperrier qui est passé. Attention, Lamperrier face à deux joueurs. Et Palais qui revient jusqu'à Crinon. Enzo Cantagallo le tire sur réception. Oh, le super barré de Lucas Aurac sans rebond laissé. Alors qu'il y avait du monde là devant lui. On joue très très bien défensivement, hein, du côté de Grenoble. On est bien en bloc, compact, on est là sur les rebonds. On donne pas tellement d'opportunités aux Rouennais. C'est propre. Engagement en zone offensive pour les Dragons avec Quavisto. Pour Chakashvili, Hardy, le premier sur ce palais, qui est pris par Chakashvili, Guérif, qui trouve Koivisto. Allez, le palais qui traîne, attention, le lancer en pleine lucarne du jeune Tomasino qui réduit l'écart aux 3 buts à 2. Ce n'est plus le même match désormais. Oui, sur ce palais qui avait été disputé contre la bande, là, de derrière la cage,
Il a été mis sur Aurac. Le palais s'est retrouvé tout seul dans le slot. Tomasino a été le premier à récupérer ce palais, pleine lucarne. Il me semble que c'est son deuxième but. Hein, et sur les caméras de Sport en France, toujours. Parce qu'il avait marqué le premier, je me rappelle. Donc c'est le troisième. Là, le palais a été mis devant la cage. Il se retrouve tout seul. Tomasino est le premier à bondir. Il va chercher la lucarne. Et on va revoir. Palais derrière la cage. On essaie de le mettre au premier poteau. Non, c'est pas là. Et le jeune joueur de 19 ans, Quentin Tomasino, auteur de son troisième but. Il vient de la région aussi, hein, de Saint-Martin. Tout à fait, effectivement. Il est parti à Rouen il y a maintenant deux ans, deux saisons. L'ancien grenoblois qui répond à l'ancien rouennais aussi, allez Hardy. Et attention, ils ont le vent dans le dos, les rouennais. Oh, l'énorme charge là, Chakiachvili qui a été sacrément secoué sur le côté. Beylak, le tir lointain. Oh, l'arrêt de Mattia Pintarik. Et ce match qui est loin d'être terminé entre Grenoble et Rouen. 3 buts à 2 désormais. Un petit but d'écart. Un petit peu moins d'un quart d'heure de la fin de la rencontre. Deschamps, l'incursion en zone offensive. Ah, ce but, on sent qu'il a donné de la confiance aux Rouennais. Derrière, c'est dégagé par Ono. Et Palais qui vient quitter l'aire de jeu. Mais attention à Philippe Pouto, le caméraman. Pas passé loin, hein, ce palais de lui qui vous propose toutes ces belles images plan large. Alors, est-ce que Rouen va arriver à emballer ce match, hein, et depuis qu'ils ont marqué ce deuxième but, ils ont eu quelques opportunités. Brock Trotter, palais qui arrive jusqu'à sauver. Oh, attention, l'arbitre l'esquive. Palais qui revient jusqu'à Vigneur. Regardez le joueur d'une façon peu agressive. Barker en zone neutre, la passe pour Roland Vigneurs et ses 14 buts cette saison. Le tir de Vigneurs qui passe à côté. Guttig, premier buteur des Dragons. Et Palais qui va revenir en zone défensive pour les Dragons avec Cam Barker, le capitaine. La feinte, oui. Sur Der. Brock Trotter, ouais, sur le côté, cherche Joël Caron. C'est récupéré par Hardy qui parvient à dégager son camp. Palais qui arrive jusqu'à Mattia Pintarik avec Crinon. La passe de Crinon pour Caron. Hardy. Oh, la feinte de passe et derrière le superbe spinorama de Hardy qui prend des risques, mais il est passé par deux fois. Hardy, le défenseur qui lance, s'est arrêté. Il est toujours en possession du palais. Le tir en angle fermé. Oh, le festival du défenseur vraiment. Des brûleurs de loups qui a failli passer en revue toute l'équipe là des Dragons de Rouen. Oui, Hardy, on n'avait pas en vue encore dans cette position là. Il adore faire ça. Hein. Et donc la pince, il s'est retrouvé là carrément dans l'angle. Il a tenté un shoot, Pintarik fait l'arrêt, il y a le rebond juste derrière. Mais en tout cas, on n'a pas revu le spinorama qu'il a fait, mais c'était incroyable. Champagne avec Kierney, le tir de Ale Hardy. Oh, ça a été bloqué. Guérif. Floud, qui est pris par Kierney avec le jeune Tomasino. Palais qui est conservé par les Grenoblois en zone offensive avec Ono. Floud. Oh, l'énorme charge sur le côté. Floud, attention, qui lui a rendu. Floud qui s'est fait justice, je pense qu'il a. Voilà. Le sifflet qui est chaud, pas de pénalité signalée. Si, le bras de l'arbitre qui est levé. Ça va être contre le joueur rouennais, bien sûr. Qui a répondu. Pris effectivement une charge et derrière, il a mis un cross-check sur le joueur grenoblois. Sur Ale Hardy, oui, il s'est fait justice lui-même. Alors, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'il y avait la faute sur la première charge, mais à partir du moment où les arbitres n'ont pas sifflé. Et donc, supériorité numérique pour les brûleurs de loups de Grenoble. Déjà, buteur dans cette disposition ce soir, qui va avoir une nouvelle opportunité avec un joueur de champ supplémentaire. Et ça a plutôt bien tourné hein, depuis le début de cette rencontre avec un joueur de champ supplémentaire. Ils se sont plutôt bien trouvés. Et Mattia Pintarik qui a été contraint vient de faire de gros arrêts. Legault face à Koivisto, l'engagement remporté par les brûleurs de loups. Hardy avec Fleury. La passe pour Hardy.
Ouais, Fleury, le décalage pour Treille, le tir au puissant de Treille, arrêté par Mattia Pintaric. Encore un lancer pour l'international français Sacha Treille. Fleury, le lancer, attention, il y avait du trafic devant les buts de Mattia Pintaric. On a joué à peine 20 secondes dans cette disposition et déjà deux grosses opportunités pour les brûleurs de loup. Treille, la passe derrière avec Lego, le tir de Hardy. Oh, et quel arrêt, plein d'autorité de la part de Mattia Pintaric. Très solide dans ce troisième tiers-temps. Ouais, parce que ça circule bien hein, entre les trois pointes. Et puis là, le danger est venu de derrière sur Hardy qui avait surgi au deuxième poteau. Toujours très calme, le gardien des Dragons de Rouen devant ses filets. Toujours à rassurer sa défense dans les moments les plus difficiles. Oh, attention avec Cam Barker qui vient mettre là aussi une grosse charge sur Hardy. Il faut dire qu'il y a une grosse différence de gabarit entre les deux hommes. Attention là, avec le contre, il est tout seul, le défenseur, la marche. Oh, attention, et oui, le bras de l'arbitre qui est levé. Et peut-être un tiers de pénalité à venir pour les Dragons de Rouen sur cette faute de l'international français Damien Fleury. Quel scénario dans cette rencontre. Que de rebondissements dans ce match entre les brûleurs de loups et les Dragons. Et Dotterglav pas content. C'est vrai qu'il y avait quand même quelque chose. Un mot qui commence par F et qui termine par K. Il aurait pu avoir un penalty. Un mot d'amour, hein, évidemment. Et donc, là, on voit effectivement. Alors, oui. Bah, oui, alors, effectivement, on dit que Fleury a touché. Alors, est-ce qu'il touche le palais avant? Et alors, il y a explication, effectivement. Mais bon, il a quand même bien emmené le joueur. Donc la question est... Il a tout balayé sur son passage. Et puis, il y avait Treille aussi derrière qui mettait des petits coups. En tout cas, il n'est jamais parvenu à lancer la marche. Il y a pénalité contre Grenoble. Power play pour Rouen. Rouen a l'occasion de revenir, hein, alors qu'on est quand même à 4 contre 4, hein, et c'est dans une minute seulement qu'il y aura une supériorité numérique. Beaucoup d'espace à venir. Exactement. Dans cette prochaine minute, et ensuite opportunité pour les Dragons de Rouen de revenir à égalité dans ce choc entre Grenoble et Rouen. Yann Sauvé avec la possession du palais. Sauvé, un passe derrière pour Roy, ouais, qui remonte ce palais. Roy, ouais, qui lance à la cage. Attention à ce rebond qui est laissé par Mattia Pintaric. Guttig sur le côté face à Champagne. Guttig du patin avec Cam Barker. Personne dans le coin du côté des Dragons pour venir récupérer. Et attention, on fait circuler. On lance même. Et c'est un arrêt pour Mattia Pintaric sur ce lancer encore de Yann Sauvé. Et derrière, Cam Barker qui met ce palais de l'autre côté. Pénalité appelée. Contre. Ouh, oui, contre Grenoble. Roy. Oui. Ou c'est Yann Sauvé. Ou non, c'est Roy. Vous avez raison. C'est Roy, effectivement. Il s'est passé quelque chose là quand les joueurs étaient à terre, il me semble. En tout cas. Énorme opportunité pour les Dragons de Rouen. 4 contre 3. Et bientôt 5 contre 3. C'est même leur plus grosse opportunité là pour revenir à égalité dans cette rencontre. Alors, Lamperrier, Lagacé, Chakiachvili. Dans 24 secondes, ils seront en double supériorité numérique, les Dragons de Rouen. Et donc, grosse chance là pour les hommes de Fabrice Lhenry de revenir à égalité dans cette rencontre, dans ce grand classique du hockey français. Deschamps, la passe sur le côté avec Lagacé, ouais, qui temporise Lagacé. La passe pour Chakiachvili. Entre les joueurs en haut. Chakiachvili qui lance à la cage. Le rebond. Et c'est Ono qui vient bloquer ce palais après l'arrêt de Lucas Orac. Et donc retour on est sur la glace. 3. 5 contre 3 pendant 40 secondes. Lagacé, la passe de l'autre côté pour le meilleur scoreur de Ligue Magnus. En l'occurrence, le Deschamps. Qui bondit. Lamperrier. Chakiachvili. Ouais, la feinte avec. Lagacé, ouais, qui se retourne. Ouais, la passe était mal ajustée. Encore 20 secondes à faire avec deux joueurs de champ supplémentaires. Deschamps, ouais, la passe Lagacé. Le tir sur réception de Chakiachvili. Ouh, ça a été stoppé. Quelle grosse opportunité pour les Dragons de Rouen. Belle, c'est pas terminé. Là de Pintaric là, qui a tout de suite relancé ses 4 joueurs et 5
trotteur avec la passe de l'autre côté. Nicolas Deschamps. 54. Oui, effectivement, un joueur de champ et de retour sur la glace du côté des Brûleurs de Loup. Il reste encore 35 secondes à faire en avantage numérique pour les Dragons de Rouen dans ce qui est peut-être le tournant de cette rencontre avec le tir. Bien dévié là. Ouh, dévié. Et Julien Bella qui se touche le visage, me demande si ce palais n'a pas touché sa tête après avoir été dévié par Damien Fleury. Quoi qu'il en soit, encore 30 secondes, 29 très exactement, à faire en avantage numérique pour les Dragons de Rouen dans ces 8 dernières minutes du temps réglementaire de cette dernière rencontre de Ligue Magnus. La marche. Ouais, la passe pour Roland Vigneurs. Vigneurs qui temporise, Vigneurs pour Brock Trotter. On fait circuler du côté des Dragons avec attention Gutik qui est trouvé tout de suite. Il vient chercher Roland Vigneurs. 8 secondes encore à faire en avantage numérique pour les Dragons. Oh attention, on n'arrive pas à se dégager du côté des Brûleurs de Loup. La marche avec la possession du palais. 1 seconde encore à faire, retour à 5 contre 5, encore peut-être une dernière opportunité. La marche, oh, qui feinte à la bleue, la marche du revers pour Marc Floud. Le tir de Floud, c'est finalement bloqué par Hardy. Palais qui reste en zone offensive pour les Dragons qui connaissent un gros temps fort là dans cette rencontre. La passe pour Roland Vigneurs. Vigneurs avec la marche sur le côté. On est agressif mais on n'arrive pas à sortir ce palais du côté des Brûleurs de Loup. Vigneurs. Et on fait tourner côté Rouen. On cherche l'ouverture. Avec le lancer qui est dévié. Toujours un pied ou une jambe qui traîne. Hein, les gros shoots de Rouen sont toujours contrés. Et Vigneurs entre les jambes, c'est bien fait. Le lancer du capitaine Cam Barker qui est arrêté par Lucas Orac. C'est pas terminé. Le palais qui revient sur le capitaine. Et finalement, on parvient à se dégager du côté des Grenoblois. Ça on peut souffler, vite, respirer. Vite. Ce match qui commence à être étouffant. Vigneurs. La passe, le lancer finalement en angle fermé. Et c'est un arrêt pour Lucas Orac. Une grosse séquence offensive hein, de la part des Rouennais qui n'ont pas réussi à trouver la faille. Et on peut dire grosse séquence défensive des Grenoblois qui ont super bien défendu. Que ça soit à 3 contre 4, à 3 contre 5 ou à 4 contre 5. Engagement en zone offensive pour les Dragons de Rouen qui sont menés pour le moment 3 buts à 2, qui ont un but de retard qui tire de l'arrière dans cette fin de rencontre face aux Grenoblois. Lamperrier avec Caron, la passe pour Loïc Lamperrier. Ah, solide Lamperrier face à Ono. Lamperrier derrière Enzo Cantagallo pour Chakiachvili à la bleue. Le tir, oh, ça a été bloqué cette fois-ci par Aurélien Der. Lamperrier face à Ono. Encore un temps fort pour les Dragons. Ah, il pousse vraiment. Monopolise le palais en zone offensive. Lamperrier. Ça défend très bien en bloc hein, de la part des Grenoblois. Et là, ça part en contre. Oh, attention avec Fleury. Et c'est finalement Chakiachvili qui est le premier sur ce palais. Bellac face à Neza. Bellac, hein, toujours en possession du palais. La passe pour Damien Fleury qui met ce palais en fond de territoire. Govisto. 6 minutes et 12 secondes encore à faire avant la fin du troisième tiers-temps. Les Dragons, une fois de plus, à l'attaque dans cette fin de rencontre. Kernet qui parvient à dégager son camp, le palais qui revient jusqu'à Crinon avec Floud. Ouais, la passe qui est interceptée par Roy, attention à l'opportunité en contre. Ouais, de Roy qui lance au-dessus sans prévenir là, qui est passé au-dessus. Guérif avec Crinon. Tomasino qui dégage son camp. Roy, on fait circuler du côté des Brûleurs de Loup, le temps qui file à leur avantage. Kierny avec Der. Oh, c'est bien fait de la part de Der qui est passé. La passe pour Munoz. C'est finalement intercepté. Et attention au contre, un 2 contre 2. Joris Bedin avec Nicolas Deschamps. Deschamps de l'autre côté pour Jacob Lagacé. Le tir en pivot. Bedin avec Lagacé. Et qui se retourne. On continue de faire circuler, mais les Grenoblois sont vraiment bien placés. Dans ce troisième tiers-temps. Ils font pas de faute. Ils se mettent toujours en opposition.
Ils ont fermé la porte à double tour. Comme on dit, ils sont toujours du côté défensif. Donne pas l'opportunité. Bedin. Oh, attention, oh, il est complètement oublié le palais là-dessus, Joris Bedin. Et palais qui est récupéré par Kearney. La charge de la marche. Et les Dragons, une fois de plus, qui vont pouvoir retourner en attaque. Ouais, là, c'est les Grenoblois qui ont récupéré ce palais. Ono. Ouais, sur le côté, ça a été légèrement dévié par Legault. Pintarik. Ouais, qui parvient à dégager son camp. Ça a été légèrement touché par Ono. Pas de dégagement refusé. Guttig qui vient mettre la pression dans le coin avec Bellac. Vigneurs. Roland Vigneurs. Le laiton. Ouais, qui résiste à la charge. La passe avec le lancer. Ouh, le lancer de Enzo Cantagallo sur cette passe de Anthony Guttig qui passe pas loin. Et attention, il ne reste plus que 4 minutes à faire avant la fin de cette rencontre, avant la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Trotter. Ouais, la feinte de Brock Trotter qui conserve ce palais avec Chakashvili à la bleue, pressé par Damien Fleury. Brock Trotter pris par Legault. Il y a Vigneurs qui est présent également. Vigneurs, oh, c'est bien fait de la part de Vigneurs sur le côté qui tente de faire la différence, de créer de l'espace pour ses coéquipiers. Ouais, la passe pour Chakashvili qui est monté aux avant-postes. Oh, Roland Vigneurs, le meilleur buteur de cette Ligue Magnus. Oh, la double parade de la part de Lucas Aurac qui permet à sa formation de conserver ce petit but d'avance dans les 5 dernières minutes. Quelles opportunités pour les Dragons. Et oui, il y avait eu deux grosses occasions. Et ce rebond, je pense que c'était Chakashvili. Crinon. Ah, qui se retourne. Crinon, c'est pas terminé. On continue de mettre la pression du côté des Dragons. Roland Vigneurs pour Guttig. On va surveiller la présence de Mattia Pintarik puisqu'on rentre dans les 3 dernières minutes de cette rencontre. Vigneurs entre les jambes. Vigneurs, les mains en or. La passe derrière lui avec l'opportunité. Le tir de Anthony Guttig dévié finalement. La passe derrière Crinon. Le décalage pour Joël Caron. Il y a une opportunité de lancer. Oh, qui est passé juste à côté. Légèrement dévié et on continue de mettre la pression. On se rapproche de plus en plus du but de Lucas Aurac. Et quelle feinte à la bleue signée Pierre Crinon. C'est pas terminé. Crinon le tire. Ouais. C'est pas terminé. Joël Caron derrière pour Crinon. Attention, on se rapproche de plus en plus. Le rebond qui est finalement conservé par Lucas Aurac. Oui, il y avait vraiment du monde. Cette fin de rencontre, non, elle s'appelle Lucas Aurac pour l'instant. Le portier des Brûleurs de Loup est extrêmement solide dans cette fin de rencontre. Oui, et pourtant, on tente de tout pour le tout. Oui, les Rouennais jouent très très bien, ils ont le contrôle du palais. Ils arrivent à trouver des opportunités. Et du côté de Grenoble, on joue en D-side. On fait pas de faute. Et en tout cas, des deux côtés, ça joue très très bien. Attaque, défense. Les Rouennais, bien sûr, veulent égaliser. Et un temps mort qui est demandé. Les deux coachs qui donnent bien leurs indications dans ces dernières minutes de ce grand choc entre les Brûleurs de Loup et les Dragons de Rouen. Alors, est-ce que Pintarik va rester au banc? Non. Si. 1, 2, 3, 4, 5, Mattia Pintarik qui s'en va au banc. Et effectivement, engagement en zone offensive pour les Dragons de Rouen. On tente le tout pour le tout. C'est rare de marquer en cage vide, mais c'est pas impossible. On n'a pas eu cette année pas jamais. Sport en France. Oui, effectivement. On a eu un but dans les derniers instants. À Nice, effectivement. Alors qu'il y avait 0-0. Mais pas de but pour l'instant inscrit en cage vide. Chakashvili, le décalage pour Deschamps. Et ce palais qui est récupéré par les Brûleurs de Loup. Attention, qui veulent évidemment annihiler toute chance des Dragons de remporter cette rencontre. Et finalement, Fleury qui manque. Ils ont voulu donner le palais à finalement. Fleury. C'est Legault qui a voulu donner le palais à Fleury pour qu'il ait un point. C'est peut-être une mauvaise idée. Et ce palais qui est dégagé avec Chakashvili. On est rentré dans les 2 dernières minutes de cette rencontre. Et on va peut-être profiter de cette erreur des Brûleurs de Loups du côté des Dragons avec la passe pour Nicolas Deschamps. Pour l'instant, meilleur scoreur de cette Ligue Magnus, toujours en tête. Bedin. Avec, attention, ce palais qui a quitté la zone offensive. 1:35 encore à faire. Il a besoin de soutien, la Floud. Floud. Allez, qui conserve ce palais. Floud, la tête levée, avec son style toujours si particulier.
Paul Caron, ouais, qui perd ce palais, c'est récupéré. Pas loin du surnombre du côté de Rouen là. C'est ce que réclamait en tout cas les Grenoblois. Guttig, ouais, qui remonte ce palais. Une 11 encore à faire avant la fin de cette rencontre. Anthony Guttig, premier buteur des Dragons de Rouen, qui met ce palais en fond de territoire. Avec Brock Trotter, la passe à la bleue. Floud, le décalage pour Anthony Guttig, ouais, qui temporise, cherche une opportunité. La passe pour Roland Vigneurs. On est rentré dans la dernière minute du temps réglementaire de cette rencontre irrespirable pour le moment entre les Dragons de Rouen et les Brûleurs de Loups de Grenoble, qui mènent 3 buts à 2, mais qui sont en grande souffrance. La marche, qui ne préfère pas lancer sur réception. Le tir lointain, ou que c'est haut. C'est récupéré par Hardy, finalement, avec Yann Sauvé. Roland Vigneurs face à Sauvé avec Brock Trotter. On a trouvé la pointe. Floud, le décalage pour la marche. Oh, le tir qui passe largement à côté. Pas du tout cadré. Peut-être bien 2 mètres là, de la part de Maxime Lamarche, ancien joueur des Roquettes de Laval la saison dernière. Alors, les palais qui est concerné par secondes, les Dragons. 15 secondes, oui. Attends, une dernière opportunité pour Rouen. Trotter. Ouais, qui temporise, Trotter, la passe sur le côté avec Guttig. 6 secondes, il faut lancer du côté des Dragons. Ah, la passe qui est manquée par Roland Vigneurs. Et on va le faire du côté des Brûleurs de Loups. Victoire face aux Dragons de Rouen sur le score de 3 buts à 2. On a tenu bon du côté des Brûleurs de Loups dans ces dernières minutes très compliquées. Oui, tout à fait. Les Brûleurs de Loups qui ont beaucoup subi, mais c'est normal parce que Rouen a poussé vraiment très fort. Ils ont cherché toutes les solutions et Grenoble a eu le mérite de tenir toujours face aux joueurs rouennais sans faire de faute. Hein, et c'est clair que Rouen a donné tout ce qu'il pouvait, mais ce soir, Grenoble était les plus forts. Les Rouennais peuvent peut-être regretter ce deuxième tiers-temps, ils sont passés à côté du deuxième acte. Oui, tout à fait. Grenoble a été très très opportuniste dans ce deuxième acte. Ils ont eu un passage à vide, notamment après le deuxième but. Et voilà, ils peuvent regretter. Mais c'était un très beau match, un match qui fait honneur à la Ligue Magnus. Oh oui. Qui a été très très correct. Hein. Il n'y a pas eu de mauvais coups. Il y a eu de l'intensité, il y a eu de la vitesse, il y a eu du suspense. C'est tout ce qu'on demande à la Ligue Magnus et dans ce genre de match. Superbe image. Hein. Fleury qui vient parler à Deschamps. Deschamps qui finit donc meilleur scoreur de cette Ligue Magnus, ouais, les deux joueurs qui viennent se saluer, deux très grands joueurs cette saison, et tous les Québécois aussi qui viennent autour de Nicolas Deschamps, ouais, bah, forcément félicité, tandis que grande fraternité effectivement. Ah, tandis que Franck Pateau est aux côtés de Anthony Guttig. Bonsoir Anthony. Bon, c'est une dernière affiche, une belle affiche, ça a été serré. Quelle a été la clé du match, hein? Bah, je pense qu'aujourd'hui c'est les pénalités qui ont fait la différence. C'était un match vraiment haché. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux à 5 contre 5, surtout sur la première période. Donc voilà, c'est les jeux en supériorité et infériorité numérique qui ont fait la différence ce soir. Alors, par rapport à cette saison particulière, comment vous pouvez la résumer cette saison? Bah, c'était une saison différente de d'habitude, ça c'est sûr. Vraiment compliqué mentalement. Voilà, je pense que pour tous les joueurs et tous les staffs, c'était vraiment difficile parce qu'il y avait des grosses périodes de doute et d'incertitude. Donc voilà, comme tout le monde, comme tous les corps de métier, on a été touchés et c'était pas facile. Mais voilà, on a quand même eu d'un côté la chance de pouvoir jouer malgré tout. Et donc voilà, il y a eu des hauts et des bas. Bon, vous avez marqué encore hein, ce soir. Vous étiez pas loin hein, de cette fin de saison. Ouais, bah ouais, on n'était pas loin, mais voilà, il manquait un petit truc. Félicitations à Grenoble, ils ont fait un bon match aussi, donc voilà. Par contre, là où on peut dire bravo, c'est quand même pour le titre. Bah ouais, après, tout le monde sera pas d'accord avec vous, il y en a qui diront qu'on l'a pas mérité. Voilà, c'est comme ça, il y aura toujours des gens qui seront pour ou contre, ou qui trouveront que c'est pas mérité, d'autres qui trouveront que ça l'est. Nous, on est contents de notre saison, on a rempli le contrat qu'on s'était fixé en début d'année. Donc voilà, n'en déplaise aux rageux, je dirais, nous on est satisfaits de notre saison. Oui, parce que je crois que vous avez déjà dit plusieurs fois que quand on est à Rouen, en général, c'est pour gagner.
Oui, bah après Grenoble, ils sont là pour gagner aussi. Ils ont des objectifs qui sont les mêmes que les nôtres. Maintenant, c'était une saison, comme j'ai dit, compliquée mentalement. Fallait rester concentré tout le temps et c'était pas facile. Il y avait pas beaucoup de rythme entre les matchs, donc ça c'était compliqué aussi pour un sport comme le nôtre. Mais voilà, nous on a su rester concentré, rester pro toute l'année et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, rester concentré sur nos objectifs de début de saison. Alors, je crois que maintenant, même si on peut pas le dire clairement, vous visez peut-être les JO, enfin en tout cas les qualifs, on en parle doucement quand même, Anthony. Bah oui, l'objectif de l'équipe de France c'est de retourner aux Jeux Olympiques, ça c'est sûr que ça fait très longtemps, voire trop longtemps qu'on n'y est pas allé. Et voilà, la prochaine mission pour l'équipe de France c'est de se qualifier. Alors je sais pas, j'ai Charles et Pierre qui sont avec moi, je sais pas si vous voulez dire un mot à Anthony peut-être pour cette fin de saison. Oui, moi je voulais dire à Anthony qu'effectivement, Rouen a été l'équipe la plus solide du début jusqu'à la fin du championnat et je pense qu'ils peuvent être fiers de leur saison. Effectivement, c'était une saison particulière, mais ils ont surtout été là mentalement. Bah Pierre me dit, vous avez été là mentalement, vous avez été solide tout le temps et ce titre est mérité. Voilà ce que dit Pierre. Bah écoutez, moi je suis assez d'accord avec lui. Donc, c'était. Après, comme j'ai dit, c'était vraiment pas facile. Franchement, c'était une saison quand même compliquée. Mais dans ce contexte-là, dans ce format-là, on a su tirer notre épingle du jeu. Donc, pour moi, malgré tout, il y a quand même du mérite. Et puis il y a la joie de la paternité aussi. Ouais, bah ça c'est un autre domaine, mais c'est sûr que ça c'est une autre épreuve qui arrive. Et j'ai hâte que ça commence aussi. Merci beaucoup, belle saison. On est vraiment ravis. Ravis aussi d'avoir eu des images sur l'antenne Sport en France toute cette saison. J'espère que vous en avez parlé tous ensemble. Bah oui, de toute façon, on n'a pas le luxe d'être diffusé sur beaucoup de chaînes. Donc quand il y en a une qui nous permet de l'être, bah, on est reconnaissant envers cette chaîne-là. Et puis en plus, c'est bien fait. Donc continuez. Merci beaucoup. Merci et félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup Franck Pateau pour cette interview de Anthony Gutti. Quand on l'écoute, on se dit que les Rouennais, ils vont le savourer ce titre. Bien sûr, comme il l'a dit, c'était une saison très très dure pour tout le monde. La situation fait que les sportifs souffrent, les spectateurs, ben ils sont pas là. Voilà, et donc c'est clair que maintenant cette saison est finie en tout cas au niveau des clubs. Et maintenant c'est place à l'équipe de France, même s'il n'y aura pas de championnat du monde, il y aura des matchs. Et ce qui est important, c'est la qualification olympique qui aura lieu fin août, on espère, dans des conditions normales, et qui vont pouvoir se préparer dans des conditions normales, cette équipe de France qu'on soutient tous. Ok, oui, on espère et on croise les doigts. Allez, c'est l'heure de se quitter pour la dernière fois de la saison, Pierre. C'était un plaisir d'avoir pu commenter avec vous. Merci plaisir beaucoup. Partagé, merci. Merci à toutes les équipes de Sport en France. Je vais les remercier, Romain Schindler, Vincent Bourges, Cédric Rouget et tous les autres. Merci également à toutes les équipes de Chlorophylle Production qui ont abattu un travail absolument énorme pour vous proposer toutes les images tout au long de la saison. Merci Franck et Julie Pateau, Nicolas Ruot, Cyril Chauvin, Philippe Moutot, Lola Thomas, Patrick Vella. Voilà, c'est vraiment important de tous les remercier. Merci. Et tous ceux que j'oublie aussi. Merci à toutes et à tous d'avoir été si nombreux à nous suivre cette saison et à très vite sur Sport en France. Salut à tous. Bye.